Alors bonjour à toutes et toutes, pour ceux qui écoutent. Donc je casse mon agenda habituel du dimanche. Je suis désolé, j'ai renoncé à allumer la PS3 parce qu'il fait tellement chaud que j'ai peur de la griller, sans déconner. Et moi je vous cache pas que je suis pas frais. J'ai plutôt bien dormi, mais revenu du bureau de vote, je me suis repris une. Comme c'est législative, hein, je précise au moment de faire cette vidéo. J'ai. Attendez, pardon. J'ai. Ah mince, je peux pas faire sauter mon. Je voulais éviter d'avoir la quête active. Tant pis, c'est pas grave. Bref, revenu à 9h du bureau de vote pour les législatives, j'étais trempé, je me suis redouché. Ma webcam, entre-temps, elle s'est déconnectée. Vous savez que c'est chiant pour moi de la reconnecter sans redémarrer Windows. J'avais pas ce courage. Donc ce sera sans webcam. Ce qui me permet, moi, de me mettre à mon aise. Je vous cacherai pas que je suis en torse nu. C'est la limite si je suis pas dans ma tenue d'Adam. Et voilà quoi. Et même cet après-midi, je renonce à faire du Minecraft parce que sur la durée, je risque de trop faire chauffer ma carte graphique. On a fait un petit peu de Minecraft seulement hier pendant 90 minutes. Bon, c'est bien, on a fait de l'exploration. Voilà, c'est bon. Et ça reviendra évidemment. Mais là, je vais me faire une journée spéciale Starbound. Et je respecte ma règle d'or par rapport à Twitch. C'est au diffuseur avant tout de se faire plaisir. Croyez-moi que Starbound, voilà, j'étais dans la nostalgie du jeu, ça fait plusieurs années que j'y avais pas rejoué. C'est un excellent jeu que je vous recommande si vous aimez la science-fiction et le spatial. Tout en ayant justement les assemblages à la Minecraft, mais en 2D. Et ce jeu est d'une poésie, vous allez voir. Là, je suis au tout début de ma carrière, hein. C'est ma première planète, mon vaisseau est complètement pété. Donc ça tombe à point nommé quoi. Là j'ai à peine je dois avoir à peine 2-3 heures de jeu. Le temps de faire ma première bâtisse. Voilà. Et j'ai le souci d'ailleurs du débutant, c'est-à-dire de vite me faire de la bouffe et de cultiver des champs. Alors, il faudrait que j'essaie de trier mes végétaux là parce que. Pour le coup, j'ai un peu tout et n'importe quoi. Alors, graines de maïs. Le maïs. Non, je vais délocaliser le maïs. Le maïs, je vais le mettre là. Tant pis, je prends le risque. J'y prends le risque. Là, c'est du. Salut, J'ai la salut, cheminée. salut, 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 C'est salut. du. Coton. Bonjour, Olive Kitu, j'espère que tu vas bien. Donc, circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles, je renonce à mon programme du jour normal, parce qu'il fait trop chaud. Et comme ma webcam en plus m'a fait un caca nerveux au démarrage de Windows, là j'ai eu le malheur d'à peine effleurer le câble USB, elle m'a lâché, je veux pas relancer mon Windows, donc du coup ça me permet moi de me mettre torse nu, comme je suis en train de cuire à l'étouffée chez moi. Comment ça, tu n'entends pas ma voix? Ah? Ah, elle est un peu faible. Alors attends. Merci de la remarque. On démarre. Ma voix. Ah oui, mais je vois pas comment je peux l'amplifier là. Pourquoi ma voix est faible? C'est bizarre ça. Ah! Je suis bien embêté parce que normalement je suis à fond les ballons là. Attendez voir. Je vais vérifier un truc. Bah mince alors. Alors, minute papillon. Ça c'est bon. Je vérifie mes paramètres du coup hein, rapidement pour voir. Non, apparemment je serai à fond. Ah oui, je suis à fond, je suis à 100%.
Oh bah merde alors, oh, c'est peut-être ma voix qui est un peu trop faiblarde. Alors comme j'ai pas la cam, je vais essayer de rapprocher le micro exceptionnellement. Attendez-moi. J'ai la molette de volume mais j'arrive même plus à la tourner. Non là je suis à fond. Là est-ce qu'on entend? Oui non là c'est plus fort comme ça. Comment tu trouves là, Olive, au niveau de ma voix, s'il te plaît? Excuse-moi, je me permets de te solliciter du coup. L'ambiance sonore couvre ta voix en fait. Ah, le son du jeu est trop fort en fait. D'accord, ok, merci. Alors, attends, bouge pas. Comme ça doit être vachement mieux, je pense. N'hésite pas à me le dire, merci. Heureusement que t'es là, Olive. Oui, donc je disais, à cause de la chaleur, je renonce à allumer la PS3 et faire Final Fantasy parce que j'ai peur de cramer ma PS3. Je n'en ai qu'une. Qui plus est, ma webcam m'a fait un caca nerveux au démarrage ce matin. Elle a dit, je me mets en grève, donc je vais pas me battre. J'ai essayé honnêtement d'intervertir de câble USB pour la relancer. J'ai eu un droit d'honneur de un doigt d'honneur de mon gestionnaire de. Non, mais je sois pas désolé, Olive. Merci à toi de prendre le temps de m'écrire et de. T'en fais pas. Heureusement que t'es là. C'est cool. Merci tout plein à toi. Ne t'en fais pas. Bah, tu sais que on est à l'aveugle quand on diffuse. C'est toujours chiant. Tu connais cette expérience puisque toi-même t'es diffuseuse. Bref, tout ça pour dire que je bouscule mon programme du dimanche. Je respecte ma règle d'or de Twitch qui est le diffuseur doit se faire plaisir. Et du coup, ça va être une journée spéciale Starbound. Comme je vous ai jamais diffusé Starbound, et que c'est un peu l'équivalent de Minecraft, mais en 2D dans l'espace et que c'est plein de poésie, ça me convient très bien. Et en plus, c'est un jeu comme en 2D, ça fait moins chauffer la carte graphique. Voilà. Et comme il fait chaud et que j'ai pas la webcam, ouais, bah du coup, moi je me mets torse nu, donc voilà, je me mets à mon aise. Et franchement, ça me sauve. Parce que j'ai démarré, honnêtement, enfin, j'ai démarré. Je préparais mon antenne tout à l'heure, il y a encore une demi-heure. Alors que je renonçais déjà à la webcam, je me disais, il fait vraiment trop chaud, trop moite. Si j'allume la PS3, elle va. Même si je l'éteins pour 13 heures, j'y crois pas. J'ai peur qu'elle me lâche parce que je suis vraiment dans une atmosphère moite. Et pour 3 heures, ce serait débile de perdre la console. Ajouter à ça la webcam qui me lâche, je lui dis, alors que j'avais mis ma chemise, je m'étais préparé forcément, je reviens du bureau de vote. Là, comme chante le groupe Zebda, sa célèbre chanson, j'ai tombé la chemise. Tombé là. Parce que je tenais plus. Donc voilà, ça va être comme ça, tant pis, hein, à cause de la maudite chaleur. Bon bref, c'est pas tout de bavarder et puis de piétiner mon potager, mais il faut que je fasse ma... que je cultive. Faut que je plante l'ichtygrène. Donc je vais faire usage exceptionnellement de l'anglicisme, mais c'est vrai, c'est un dimanche chill, très détente. Et ça me va très bien. Voilà, voilà. Alors de ton côté, j'ose pas imaginer le nombre de fois que tu veilles sur Minette par rapport à la chaleur. Ouais, bah. Oh, une Feira de Léman. Enfin, du Léman, pardon. Oui, le lac Léman en Suisse, ouais. Bien joué. Ah oui, c'est vrai que j'ai récolté du riz. Faut que je plante le riz. Trop bien le riz, d'avoir des bols de riz, c'est cool. Mais pourquoi j'ai de l'herbe qui a poussé dans mon potager? Boogie boo. Ah! Je fais des bêtises. Virez-moi cette herbe. Je ne veux que du riz, s'il vous plaît.
Ah oui, les petits bols de riz là. Voilà, je vous le mets à l'écran. Boiled rice. Ça nourrit bien le bol de riz. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Starbound, alors malgré la fleur que j'ai sur ma tête, je suis un garçon. Parce qu'on peut choisir le sexe et le. Enfin, le genre et l'espèce extraterrestre qu'on souhaite incarner. On peut incarner les humains, hein, mais je l'ai fait qu'à ma première partie, il y a longtemps, d'incarner un humain. J'adore incarner les robots. Donc je suis un cyborg, enfin un cyborg, un robot. Qu'on appelle je sais plus comment, parce que ça fait tellement de temps que j'y ai joué que je vous redirai ça plus tard. Et vous avez différentes espèces. Vous avez une espèce homme-poisson, une espèce homme-végétaux, qui bouffe tout. Les hommes-végétaux, on les verra peut-être aujourd'hui. C'est du délire, mais c'est trop bien. Les Floranes. Il y a des hommes-gaz. Enfin, je sais pas, c'est composé. Ils sont gazeux, ils sont bizarres. Mais c'est original. Et il y a d'autres races, je ne sais déjà plus. Ah oui, il y a les hommes-singes. Franchement, je crois que c'est vraiment un clin d'œil à la planète des singes. Et il y a d'autres espèces, je vous dirai au fur et à mesure qu'elles me reviennent. Mais ce jeu est plein de poésie, j'adore. Et c'est un des rares jeux que j'ai fait un petit peu en multijoueur par le passé avec des gamins, des jeunes. C'était génial. On s'était éclaté pendant plusieurs jours. On avait notre serveur en commun. Et jusqu'au jour où la magie du groupe a été brisée par des abrutis, je vais les qualifier de la sorte et encore je suis gentil, vous allez vite comprendre pourquoi. C'était des petits idiots qui surfaient sur la vague terroriste que traversait la France et qui disaient qu'on devait se reconvertir et qu'on devait arrêter de faire des loisirs car c'était pas ce que permettait de faire voilà, leur soi-disant Dieu voulait nous imposer. Voilà, je vous aurais deviné la teneur des propos qu'on a eu le droit très acerbe sur notre serveur et ça fait fuir tout le monde. Donc c'est bien, ces bandes d'abrutis ont réussi à briser le groupe avec leur abruti de propagande pseudo-religieuse. Mais sinon c'est un jeu oui, qui est très sympa, qui est très beau. Bah, je t'invite à t'y intéresser, Olive, à Starbound, parce que si un jour le jeu t'intéresse. Alors, jeu chronophage, je le dis tout de suite. Tu peux faire la carrière, honnêtement, la carrière, tu peux la boucler en. Je vais qualifier en journée de jeu. Donc on va dire comme une journée de travail, 7 heures. 7 heures de jeu. En journée de jeu, je pense que pour boucler le jeu, il faut. Si tu prends ton temps, 2 semaines. 2 semaines. Voilà, pour te donner une idée. Si tu fais à l'arrache, tu bâcles les trucs, enfin tu bâcles, tu essayes de faire speedrun et de tracer, en une semaine tu le boucles honnêtement. Si t'as de la chance aussi, parce qu'il faut tomber sur les bonnes armes, le bon matos. Il y a un facteur chance aussi qui joue sur les planètes que t'évolues. Ouais, non mais c'était triste, enfin bon bref. Ils étaient deux en plus les salopards, ils évoluaient en binôme. Mais ils ont foutu une ambiance pourrie. Et, oh là là. Le temps de les bannir, le mal était fait, quoi. C'est vrai qu'il y avait des jeunes. Je sais plus si à l'époque il y avait des mineurs. Mais les pauvres jeunes, ils comprenaient pas ce qui arrivait, quoi. C'était d'une tristesse. Bon, bref. Ce qui est fait, malheureusement. Ah, j'ai des tomates aussi. Faut que je les plante. Bon, au moins ça me fera un bon potager, là, je vais survivre. Ah, j'ai aussi ramassé une graine de cacao. J'ai la chance d'avoir ça dès la première planète, dis donc. C'est pas gagné. Alors, pourquoi j'ai des graines? C'est parce que je me suis promené sur la surface de ma planète. Si je vais tout le temps d'un côté, je vais finir par revenir par le côté opposé. Et j'aurais bouclé la surface de ma planète. C'est vachement bien fait. Alors évidemment, vous comprenez que ça fonctionne en bandeau au niveau des filements. Pareil, il y a. Alors je sais pas s'il y a des trucs dans les cieux, des planètes. J'ai jamais essayé, à vrai dire. J'ai jamais fait des gratte-ciel où j'avais pas la technologie pour voler à la Superman. Je crois qu'il y a moyen à la toute fin du jeu. Et aller tout en bas au fond de la planète. Alors évidemment, c'est le même principe que Minecraft. Plus on descend, plus on trouve des choses rares. Mais évidemment, plus il y a du danger. C'est-à-dire, c'est sombre, faut éclairer. Et puis, tu finis par tomber sur le magma, la lave en fusion du noyau, le cœur de la planète, quoi. Donc, faut évidemment pas tomber dedans. Voili, voilou. Ah, bah attends, je vais vous présenter mon vaisseau. Alors que j'ai bientôt plus de bouffe, enfin plus de bouffe, j'ai la faim. On voit ma barre jaune en haut à gauche.
Alors oui, la barre rouge c'est la vie, la barre verte c'est l'énergie quand je me bats. Là c'est un coup normal, là c'est un coup plein d'énergie. Vous voyez, j'ai plus ma barre verte. Il faut que je restaure mon énergie pour refaire un coup puissant. Voilà. Et là j'ai la barre jaune qui se met à clignoter parce qu'il me dit, voilà, petite icône des couverts, c'est j'ai faim, j'ai faim. J'ai beau être un robot, il me faut du carburant, même s'il est biologique ce carburant. Voilà. Alors moi, en tant que robot, je vais avoir, c'est l'avantage d'être un robot, c'est que quand j'aurai des planètes non terraformatables, c'est-à-dire qu'elles ne ressemblent pas à la Terre et qu'elles sont très hostiles, je pourrais même bouffer des trucs à base d'acide, je pourrais bouffer des piles. Et c'est bête, mais ça aide quand on est robot pour survivre de consommer des batteries en nourriture. Allez-y où, le petit vaisseau? Alors, l'histoire de Starbound, dans le scénario, c'est que j'ai fui ma planète d'origine qui a été attaquée par un horrible monstre tentaculaire. C'est le Kraken de l'espace avec ses tentacules-là. Et mon vaisseau est gravement endommagé. Toutes les races ont droit à un animal de compagnie. Là, c'est un petit cochon. Il m'aime bien, le petit cochon. Mais le pauvre, j'ai rien à lui donner. Et là, j'ai mon coffre-fort de vaisseau. Alors, en début de partie, vous voyez, je suis pauvre, hein, j'ai que puik. On peut personnaliser le vaisseau en fait. Je peux, si j'aime pas mon vaisseau, je peux retirer les plaques, je peux refaire ma Valérie d'Amido et refaire la déco si ça me chante. Bon, là je le ferai pas. Il y a la notion d'arrière-plan et de premier plan en fonction du clic de souris gauche ou droite. Voilà, on peut faire des trucs. Vous le verrez au fur et à mesure que je joue, vous allez par observation déduire le fonctionnement du jeu. Là, j'ai mon intelligence artificielle embarquée dans le vaisseau qui me dit, bah, il va falloir que tu ailles au fond de cette planète trouver des métaux rares pour me réparer. C'est la quête principale première. Sans quoi, bah là, j'ai pas de système de navigation, le truc est complètement pété, je peux pas aller dans l'espace. Navigation hors ligne. Donc, visiter d'autres planètes, c'est pas pour maintenant. Là, j'ai échoué en orbite de celle-ci. Il faut savoir qu'en montant de niveau dans l'histoire, quand j'arrive à trouver des objets rares et puissants en technologie, là, vous voyez, j'ai mon téléporteur, ma salle principale et ma cabine de pilotage. Je crois qu'il y a 7, 8, voire 10 niveaux d'évolution du vaisseau. C'est-à-dire que quand je vais monter en technologie en niveau, je vais avoir plus de salles dans mon vaisseau, il va croître, il va grandir. Donc à la fin, je finis par avoir une vingtaine de salles et je peux faire des trucs extra dans le vaisseau. En plus, le vaisseau c'est refuge, puisqu'il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'hostilité dans le vaisseau. Donc je peux sauver des villageois, je peux avoir des invités dans mon vaisseau, comme sur mes planètes que je colonise. Comment dire, y a de la gestion du social en joueur solo, c'est-à-dire c'est l'intelligence artificielle, c'est génial. Je ne sais pas si j'irai jusque-là ce soir, en fin de journée, parce que c'est vraiment un jeu qui se savoure, Starbound. Et voilà quoi. Voilà, en gros, t'as les rouages principaux du jeu, Olive. Et j'ai jamais fini le jeu. Je vous avouerai que j'ai jamais fini le jeu. J'ai déjà fait 2-3 parties par le passé, dont deux où le jeu n'était pas officiellement fini, donc il y avait des bugs, il n'y avait pas tout le contenu. Et la troisième et dernière partie que j'ai faite en dehors de celle-là, il y a peut-être 2-3 ans de ça. Depuis, il y a une grosse mise à jour, donc je m'attends à des belles surprises là. Je suis pas allé jusqu'au bout parce que je manquais de temps en fait. Et puis du coup, bah, j'ai lâché ma partie et puis basta quoi, je recommence, tant pis. Je renouvelle le plaisir de la redécouverte, surtout qu'il y a une grosse mise à jour entre temps. Alors, ce serait idiot que je reprenne ma partie précédente et que je retrouve pas le nouveau contenu. Bon, alors, moi, il faut que je prépare mon expédition en sous-sol. Je trouve que j'ai pas mal de bouffe. Voilà, le petit feu de camp va m'aider à cuire mes aliments. Et je vais la tenter de me barrer dans une mine. Attendez, je vais ma bouffe. Est-ce que j'ai des pansements? Il faudrait peut-être que je me fasse. Attendez, tac, 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 tac. Crafting. Voilà, des pansements. Il faut que j'essaie de m'en faire. Ah, je peux m'en faire une tonne. C'est bien fait, ça. J'ai récolté plein de végétaux, je peux me faire plein de bandages. Là, si je me fais patater, je vais pouvoir me restaurer la vie, la barre rouge. Alors, qu'est-ce qui se passe si on meurt? On réapparaît dans son vaisseau.
Donc, je vous dis pas l'horreur. Quand vous mourrez dans un endroit difficilement accessible, dans une planète, en sous-sol ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des planètes hein, aussi, on verra plus tard, il y a des stations spatiales, parfois il y a des ceintures d'astéroïdes à visiter, où on sort dans l'espace avec la combinaison pour récolter de. Enfin, bref, perforer et extraire les matériaux rares des astéroïdes, avec les dangers de l'espace en plus dans la vie spatiale, ce jeu est génial. Bref, on revient dans le vaisseau et il faut se retaper tout le chemin. Éventuellement, si vous avez la chance d'avoir la technologie des téléporteurs, et ça coûte cher les téléporteurs, bah vous pouvez éventuellement gagner du temps. D'où l'intérêt de placer stratégiquement ces téléporteurs qu'on a la chance d'accéder à la technologie. C'est évidemment pas mon cas et à mon avis on le verra pas aujourd'hui. On perd du pognon. Il y a du pognon dans le jeu. Parce qu'on peut faire du commerce à l'intergalactique là. Mon pognon il est en bas là. J'ai 600, presque 600 pièces d'or, c'est des petits pixels. Quand on meurt, je crois qu'on perd 80% de son pécule. Donc ça fait mal. Et je suis déjà mort une fois là, bah, hier soir quand j'ai un petit peu joué. Avant de me coucher. Bah, ça fait l'œuf et la poule quoi. quand je suis en danger, évidemment, je me téléporte, je clique ce bouton beam up pour aller sur le vaisseau. Mais c'est parce que je suis en surface de la planète. Et évidemment, quand vous vous enfoncez un peu trop profondément dans la planète, bah vous pouvez plus vous téléporter. Le signal n'est pas assez puissant. Donc là, vous êtes en réel danger. Ça fait tout le piquant et le suspense de l'aventure. Voili, voilou. Oh, j'ai récolté du coton. C'est bien le coton. Encore du coton. Bon allez, blague à part, j'ai de la bouffe, c'est génial. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dépose... Ouais, j'ai peut-être déposé des éléments que j'ai en trop là. J'ai 1000 cubes de terre. Enfin, je devrais parler de cases de terre, puisque c'est en 2D. Je vais ranger dans ma caisse. Le bois, je ne veux pas le perdre. Je vais peut-être... Oh non, je vais me couper un arbre avant de descendre dans les tréfonds. Ça, je vais le garder, c'est du précieux, c'est des produits finis. Ouais, la roche, je vais la garder aussi brute ici. Le bois. Ouais, non, je vais le ranger. Ça me ferait suer de mourir et de perdre mon inventaire. Parce que je suis fragile, je suis en début de partie. Ah, mince, il fait nuit. Alors, ça aide pas de partir de nuit. Honnêtement, de tête, je sais plus s'il y a plus de danger la nuit que le jour. Je crois que c'est neutre sur Starbound. C'est toujours tout le temps dangereux. Et toutes les planètes ont au moins une espèce hostile et une espèce gentille. On va dire neutre. Faut faire gaffe de pas l'attaquer parce que j'ai remarqué une fois, j'avais déjà attaqué par accident une espèce neutre qui n'était pas agressive. Et quand elle s'en est prise à moi, j'ai dégusté. Je me souviens d'un ennemi qui m'avait fait grave flipper. L'ennemi était capable de générer un trou noir, en fait, un mini trou noir, et vous le touchiez, vous étiez mort. Je vous dis pas le truc de fou. Ah, ça, c'est un végétal sur la planète que j'ai trouvé très beau. Ça fait des fleurs géantes. Je vais en planter un là. Ah, je voudrais pas perdre les. Putain, là-bas, j'ai planté une forêt, on se croirait dans les Vosges. Voilà. Au moins j'ai. Alors je repars dans le côté opposé. Pourquoi? Parce que ayant exploré la surface de ma planète, je sais que l'entrée de la mine est plus proche, on va dire à l'est, sur la droite. Je me prends mon arme en main parce qu'à mon avis, je vais me faire saucer. D'ailleurs, je vais me mettre de la bouffe dans mon inventaire. D'ailleurs, je vais commencer à manger parce que autant que je parte le bide plein, ce serait bien. Ah, il y a moyen de faire de la cuisine dans le jeu. Parce que là, j'ai des ingrédients de base. Mais également, quand on évolue technologiquement, on découvre le micro-ondes, on découvre des infuseurs, des trucs comme ça. Et il y a moyen de faire des trucs sophistiqués. Alors parfois, il y a des quêtes toutes bêtes. Hein. En station spatiale, on verra, il y a un tel qui dit « Oh, ça fait longtemps que j'ai pas mangé une forêt noire. » J'adorerais qu'on m'en offre une. Et puis, soit vous l'achetez, mais ça coûte bonbon, soit vous la faites. Vous partez des ingrédients de base, vous achetez une poule, vous récoltez les œufs, vous récoltez le lait, machin. C'est extra, quoi.
Oula, celui-là, lui, il est dur. Oula, il va me déboîter, lui. Ouais. Bah, j'ai gagné 40 pixels en thunes. Une belle récompense. Mais il m'a déjà bien pataté, le salopard. Enfin, voilà, quoi. Ah non, mais il y a beaucoup d'ennemis balèzes. Oh, là, j'ai pas de bol. Ah, des tomates. Youpi. Oh là, la maison qui est complètement éventrée. Alors, ça, c'est pas des baraques que j'ai faites, hein. Ça a été généré aléatoirement. Il y a plein de trucs à découvrir sur les planètes. En plus, en fonction des civilisations, vous avez de ces bâtiments, c'est magnifique. Voilà. Ah, vous voyez là, c'est pas le même feu de camp. Là, il y a une gamelle. Donc, rien qu'avec la gamelle, théoriquement, je devrais faire d'autres plats. Merde, je suis attaqué par un piaf. Salopard. Il me déboîtait alors que je regardais les recettes que je pouvais me faire. Je crois que je vais bouffer du pigeon là. Salopard. Viens par ici que je te cloue le bec. Voilà. Bon, je disais, je dois théoriquement pouvoir faire des recettes plus sophistiquées, mais visiblement, j'ai pas les ingrédients ou le niveau. Mais ça viendra. Un jour, je vous promets, je vous ferai une pièce montée. C'est vrai, en plus, je crois qu'il y a moyen de le faire. Alors, ce qui est très, très intelligent et original dans le jeu, c'est que quand on pense recettes de cuisine, on pense, nous, humains, avec des choses qui nous sont comestibles à nous. Mais il y a des recettes extraterrestres. Il y a des trucs à base d'acide et de poison pour nous humains qui sont délicieux pour d'autres espèces. Tu mélanges le contenu d'une batterie pour un robot avec, je sais pas, du tungstène, d'une ampoule. Ça fait une boisson énergisante pour les robots. Ça peut paraître idiot, mais ça marche comme ça. C'est vachement bien pensé. Voyez, c'est ça que j'aime bien. Alors, il y a une flore et une faune différente sur chaque planète. Alors, il peut y avoir des points communs, mais c'est un peu comme les Pokémon, hein, le bestiaire est large. J'adore ce végétal avec les grosses fleurs à clochettes là. C'est ça que j'ai replanté près de chez moi. C'est trop beau, il y a différents coloris en plus. Alors, j'ai hâte de redécouvrir la planète qui propose des roses géantes. Les roses, c'est d'une poésie, c'est magnifique. Et au niveau de la roche, mais ça sera pas pour aujourd'hui parce que c'est une des planètes les plus tardives auxquelles on peut accéder. Il y a de la roche phosphorescente. La roche phosphorescente, c'est soit dans les planètes très froides ou dans les planètes radioactives. Mais les radioactives, c'est les dernières évidemment qu'on visite parce qu'il faut un niveau technologique pour vaincre les radiations. C'est balèze. Oh non, pas eux, ils sont chiants. Oh là, il y a un trio là. Bon, ça va, je les ai patatés. Le relief m'a aidé, j'ai eu du bol. Ah, il y a déjà un habitant dans la planète. Bonjour. Alors, ah, c'est un florane, c'est un homme végétal. Les floranes sentent quelque chose de jouer, de quoi, de se cacher et trouver. Ah, il veut jouer à cache-cache. Oh, ben, j'ai d'autres choses à faire, excuse-moi. Moi, j'en pleure, voilà. Alors, il y a des expressions quand vous êtes un petit joueur, vous pouvez faire plein de trucs. Là, je pleure. Là, je suis joyeux. Voilà, avec les yeux en V renversé. Mais je peux faire mon tristounet en pleurant. Je suis un robot qui génère des larmes. C'est pas beau ça? Ah là 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 là. Bon, c'est pas tout de rester assis, mais c'est pas ça qui va m'aider à trouver la mine. Ah ouf. Ah, c'est joli. La mine. Ah, un peu de fraîcheur. Blablabla. Non, faut pas que je me noie non plus. Oh, ces fleurs, regardez-moi ces fleurs! Ah, oh, regardez-moi ces ennemis! Merde, je vais me faire déboîter, au secours! Ouais, non, ça va, ils restent en bas, eux. Oui, je vais remanger un truc parce que. Alors, quand on a le bide plein, c'est bien, le rognon barré, la barre de vie remonte tout doucement. C'est parce que la satiété a été maîtrisée, là, et on est récompensé. Donc c'est stratégiquement, faut pas négliger ça. Non mais regardez-moi ça. Oh là là. C'est une fleur parasol. C'est génial. Oh non, pas lui. Ah non, c'est un mini-boss lui. Hop, il y a des vilains en bas. Oh là là, ça craint du boudin. C'est la guerre. C'était pas ma guerre. Ah, il y a des ennemis, faut que je les... Oh, ils sont... Eh non, ils sont combien, eh? Au secours, je me planque dans la tente. Aïe. Il vient me déloger, salopard. Non mais ils sont trop nombreux là. Voilà, c'est quoi? Oh le guet-apens, ils sont en train de... Mais ils vont me buter.
Non mais sérieux, ils vont me buter, eux, ils sont fous. Aïe 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 aïe. Attendez, pharmacie, pharmacie, pharmacie. J'aurais dû prévoir l'onglet pharmacie. Ils vont me tuer. Je me barre. Je me barre parce que je veux pas perdre mes sous. Donc, je m'attendais à un trio éventuellement, mais pas un quatuor là. Ça le fait pas. Alors. Ouais, là je peux jouer la lumière et la santé. Ok. Bah oui, il va me remettre en orbite à côté de chez moi, mon point d'arrivée, sur la surface de la planète. Donc, je merde déjà mon début d'aventure. On va aller se coucher pour régénérer plus vite sa santé. Tuer les bandits, ouais, tu m'étonnes. Il faut peut-être que j'en ai les moyens. Alors, j'ai un flingue, mais bon, c'est un petit flingue. C'est mieux que rien. Parce que j'ai démarré avec une épée bousillée en partant de ma planète, là. Mais... Le combat va être dur, ça va être ma première quête avant d'aller dans les souterrains de la planète récolter du ce qu'ils appellent corps fragment. En fait, c'est quasiment des, on va dire, des pains de lave tièdes. Bon, fais l'œuf et la poule. La 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 la. Ah, plante tomate. Alors là, au fond, il y avait une fosse, il y avait des épines. Donc je les ai évidemment extraites pour plus me faire bobo. Mais on voit que la planète est un poil hostile parce que le gars qui arrive à faire sa baraque et qui, devant la devanture de sa maison, fait un piège de tranchée, là, c'est pas pour rien. Tu seras pas bienvenu chez moi, pas bienvenu chez moi. Bon, vous connaissez ma parodie, je vous l'avais faite sur... Merde, c'est quel jeu là? Ah oui, c'était l'excellent La Bonne Surprise, qui aurait dû être un épisode de Deus Ex. Merde, j'ai oublié le nom. Mais non, mais je vais me taper le boss, mais je vais me taper toutes les pires créatures de la planète là. J'ai vraiment pas de bol. Mais va te faire voir le Chouki Kapou Poupi là. Ah bon, ça va, j'ai du bol. Là aussi le relief m'a aidé, il était en buté pour son mode toupie. Project Snowblind, que vous pouvez retrouver l'intégralité sur ma chaîne YouTube. Je me fais un peu de pub, auto-promo. Et non non, c'était une bonne surprise ce jeu, j'ai bien aimé le faire. J'étais vraiment content. Oui, je vais pas tarder à me soigner là parce que j'ai la moitié de ma barre de vie. Mais il y a du peuple. Attendez, je vais me soigner. Au secours! J'ai dit au secours. Est-ce que je. Ah bah non, c'est une arme à deux mains, je crois. Ah non, à une main. Eh non, attendez, je peux réagencer mon arme, moi. Je peux la mettre en même temps que l'épée, non? Ah, mon épée est peut-être à deux mains. Merde, c'est mon épée qui a deux mains. Ah, c'est ballot ça. Ah, j'ai deux épées, attendez. Non, la plus violente, c'est... Attendez. Je fais 3 sets de dégâts par coup. 2 8 de dégâts par coup. 6 de dégâts par coup. Ah non, c'est mon épée d'origine. Celle qui est pétée, en fait, c'est encore la meilleure. Ah, j'ai pas de bol. Sinon, je vais y aller au flingue et je vais me les faire à l'usure, les mecs. Immersion totale. Ah, j'ai la guerre. Ah non, encore un boss, l'autre parent qui est là, non mais faut arrêter. Ah, les gamins sont mettent la colline, au secours. La guerre. Mourez, Elastico. Ah, j'ai gagné des pétales. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais ça devrait être interdit là. Mais non, mais arrêtez, au secours, je vais mourir. Et puis il va faire nuit, ça va pas m'aider. Oh, Living Root. Ah, sympa le cadeau. Oh oh. Le petit... Oh ma merde, le petit descend. Ah mais non, mais non, mais il y a un autre parent, mais je veux pas mourir. Bah là, 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 l'entrée de la mine. Mais va... Hein, bon.
Oh mon dieu, non. Quelle horreur. Heureusement qu'il ne monte pas à l'échelle. Je veux pas me faire gangbanger. Mauvaise créature, j'hostile. Merde, il n'y a plus de lumière. Heureusement que mon flingue fait de la lumière en tirant. Au secours, je veux une torche. Pouk. Ah non, 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 non et non. Non, je veux pas d'entité hostile dans la mine. Dégagez, hors de mes vues. Alors, c'est le cas de dire, je l'allume. On a vu l'effet explosion feu. Ça fait un effet feu, mon flingue. Ah oui, j'ai la petite icône flamme. Je l'y brûle. Ce sadisme. Oh, oh, ce pognon. Je me douche dans le... Ah! C'est un nouvel ennemi, quelle horreur. Il y a quoi dans la caisse? Ah bah, il y a du pognon. Je pourrais réquisitionner la caisse pour chez moi. Merde, il arrive à m'atteindre, le salopard. Il a une portée de tir. Oh mon dieu, quelle horreur. Non, je suis dans la mouise. Vite, je me fais des bandages. Piti 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 pitou. Pouk. Alors, pour l'anecdote, comme je vous ai pas montré le tout début de l'histoire, quand je me suis barré de ma planète, en fait, je devais recevoir une récompense de diplôme, j'avais réussi mes examens de fin d'année, et j'ai une cape jaune. En fait, la cape jaune, c'est carrément un morceau déchiré d'un kakemono, c'est-à-dire une bande de tissu à la verticale, à la japonaise, d'où le nom japonais kakemono. Et dans l'attaque du Kraken de l'espace, dans les échanges de tirs et le tremblement de terre qu'il y a eu sur la planète, il y a un morceau de kakemono qui est tombé au sol, et c'est ce que j'ai ramassé pour m'en faire une cape. Donc c'est un souvenir de ma planète. Comme la fleur, j'étais au pied d'un cerisier sur ma planète d'origine. Et en fait, je porte en accessoire de mode, on va dire, mes souvenirs de ma planète d'origine. Oh, de la viande. Oh, trop bien. De la viande extraterrestre, je vais la cuire et en la mangeant, je vais me faire plein de points de vie. Ah, vous voyez, c'est ça les corps fragments. Il m'en faut 20. Voilà, c'est du cristal qui produit de l'énergie. Et ça se trouve au fond des planètes. Oh, j'ai gagné des bombes. Intéressant. Vous avez découvert un fragment corps. Ils sont utiles comme objet. J'estime que il vous en est requis une vingtaine, oui voilà. Il rappelle la quête principale sur la planète. Ça m'aidera à activer un portail qu'on n'a pas encore visité à la surface de la planète, qui va me permettre d'atteindre une station intergalactique. Quand on y sera, je vous expliquerai. Voilà mon steak. Oui. Ah oui, un bon steak. Quand j'aurai très faim, ça va vite me rachasier. Ben, une petite tente, on dit pas non. Oh merde, il y a une créature qui... Alors ça, c'est dégueulasse. Vous avez des créatures qui arrivent à vivre dans l'eau ou dans des environnements hostiles. Parce que là, on voit de l'eau, mais il peut y avoir plein d'autres liquides sur les planètes. Il peut y avoir l'équivalent du pétrole, il peut y avoir des lacs d'acide, de la lave, il y a d'autres liquides, je crois aussi. Et merde, il m'a vu, salopard, quand je suis sorti de ma tente. Ah, il y en a un autre de l'autre côté, mais quelle horreur. Lâche-moi. Pardon, je veux pas mon café au lait là parce que je suis en train de... Pardon. Alors comme dans Minecraft, on peut déclencher des avalanches avec les éléments qui sont fragiles. Hop là. Alors ça peut être un avantage de générer une avalanche. Je pense très honnêtement qu'on verra les différents scénarios. Oh, du cuir, cool. Dans aujourd'hui, le fait de neutraliser un ennemi en lui balançant l'avalanche dans la tronche, et comme ça il peut plus bouger, il est enseveli. Ah bah merde, j'ai enseveli une plateforme, c'est pas très malin ça. Ah mince, on voit du métal, on voit des barrières en dessous. En dessous, il y a quoi? Oh mon dieu, c'est profond. J'ai peur. Ah! Au secours. La chauve-souris m'agresse. Va mourir, chauve-souris. C'est pas la planète d'Apadman. On veut pas de toi ici.
Ah, un verron de la Garonne. Oh, stylé! Bien joué. Alors, quand l'arrière-plan est vierge de toute matière, là, comme on peut le voir, il y a des trous, on voit que je peux encore rejoindre mon vaisseau. Bah, là, plus là. Vous voyez, j'ai la croix en bas. Alors que si je me mets là, hop, c'est la limite. Par rapport au décor de fond. Là, mon vaisseau peut encore me capter et me téléporter instantanément quand j'émets mon signal de détresse pour me sauver. Mais arrivé à ce niveau-là de profondeur, c'est foutu. Là, je rentre vraiment dans une zone de grand danger. Oh merde, pas eux. Oh non. Enfin, vous me direz, il n'y a pas beaucoup d'ennemis que j'apprécie. Ils ont chacun leurs caractéristiques et le bestiaire est vraiment large hein, dans le jeu. Là, on sentait qu'il y a une planète, mais qu'on aura vu différentes planètes, vous allez voir le truc de fou. C'est génial. Ah, non, non, pas la chauve-souris. Non, mais. Ah non! Fous-moi la paix, chauve-souris de malheur. Je voulais me régénérer ma santé. Attendez, je vais mettre une torche, on n'y voit rien ici. Peut-être là, c'est peut-être mieux. Pas là où il y a du sable, ça va s'écrouler. Voilà. Enfin, voili, voilou, quoi. Non, non, ce jeu est d'une poésie. Starbound, jouez-y. Merveilleux. Vous serez pas déçus. J'en profite pour reboire un coup, excusez-moi du peu. Alors, ces caisses. Ah, du bandage pour soigner. Oh, de l'or! J'ai encore jamais récolté d'or. Ah, des armes. Des lances de chasse. Oh, ça c'est précieux, un module de manipulation. Quand j'en cumule beaucoup, c'est un statut légendaire avec, ça vaut 1000 pixels, ça vaut une fortune. C'est pour optimiser mon manipulateur. Mon manipulateur, c'est ce que j'ai à la main là. Ça me permet d'interagir avec le décor. En arrière-plan, comme je viens de le faire, comme au premier plan. Voilà. Il est basique là. C'est-à-dire que je fais du 2 sur 2 en case. Et il est faible. C'est-à-dire qu'il me faut beaucoup de temps pour extraire les différents matériaux. Je vais gagner en puissance et en fonctionnalité dans le temps, en optimisant mon outil principal. À la fin, je crois qu'on fait du 5 sur 5 et c'est quasiment instantané. Même les métaux, les matières très lourdes, très, très denses. Je ne peux pas aspirer les liquides. Plus tard, j'aurai la fonctionnalité d'aspirer des liquides. Ça va me permettre de dégager des voies d'accès, de faire plein de manips très intéressantes. Il y a d'autres fonctionnalités, mais je ne sais même plus. Je crois même qu'il y aura de la télékinésie à un moment, je crois, avec mon. Avec les créatures vivantes. Et il y a une notion Pokémon. Dans les derniers niveaux de technologie, on peut créer des Pokéballs quasiment. Bon, ça n'a pas le même nom hein, pour des raisons de droit. Mais on peut capturer les créatures sur les différentes planètes. En fait, j'ai. Voilà, collection, c'est l'équivalent du Pokédex. Donc, voilà, c'est tous les ennemis qui existent dans le jeu. Il y en a plus d'une centaine. Voilà, là, alors là, c'est les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie classiques. Il y a les animaux de compagnie rares. Vous avez quoi? Vous avez des figurines à collectionner. Il y a les poissons. Il y a les recettes de cuisine. Il faut les découvrir aussi, les recettes de cuisine. Il y en a 150. Les fossiles. Ah, là aussi, les fossiles, c'est particulier. Il y en a 23. Il y a les insectes. 42. Il y en a à mettre en bouteille. Mais il y a moyen de capturer et de dompter, apprivoiser les créatures hostiles sur les planètes. C'est dire. Oh, qu'est-ce que c'est que ces créatures aquatiques? C'est quoi ce truc? Oh mon dieu, j'aime pas ses dents. Oh, c'est une créature des abysses. Un classique terrien. Enfin, si je peux dire. Je vais pas aller me baigner, hein. C'est pas pour moi. Oubliez-moi. Oh, un pilier. Oh non, pas lui. Ah! Au secours, il me crache dessus. Monsieur le mollardeur, je vous arrête. Assassin. Non, mais non, mais non, mais il y a plusieurs ennemis différents en même temps. Ah non, non, là, je peux pas lutter, là, arrêtez. Je vais crever, là. Mais ils sont fous. Bon, il reste. Je sais plus quel ennemi qui est en haut, je crois. Oh, c'est pas éclairé, il faut que je me refasse des torches. Aïe 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 aïe. Non, pas les bombes, pas les bombes. Ouais, je vais me soigner un peu. Ah, des torches, des torches. Est-ce que je peux faire des torches?
Oui, apparemment j'ai ouais, j'ai beaucoup de charbon sur moi, c'est bien. Voilà. Clac, 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 clac. Je vais me faire une cinquantaine de torches. Nickel! Ça devrait suffire pour atteindre le cœur de la planète et récolter beaucoup de core fragments. Les cristaux qui diffusent de l'énergie. Ah, Bonjour bonjour tout le monde, Fatal, merci déjà pour une moitié l'abonnement. d'année que je te soutiens. Oui, bonjour tout le monde, déjà une moitié d'année que tu me soutiens. Oui, merci tout plein, c'est très gentil. Oui, j'espère que tu ne souffres pas trop de la chaleur. Tu vois que moi c'est mon cas et que j'ai changé mon programme. J'allume pas la PS3 parce que j'ai peur de la flamber. Ah, une pioche. Ah, ça part. Je vais peut-être être plus rapide qu'avec. Ah bah oui, merde, j'avais déjà la pioche. C'est rapide, rapide la pioche. Oh, le champ d'action est plus grand, vous avez vu? Oh, c'est cool. Attention, faut pas que je tombe. Ah merde, il faut que je me mette de la terre. De la pioche qui s'use déjà à une vitesse. Non, je vais pas tomber là-dedans. Est-ce que... Comment ça, je peux pas? Ah bon, j'avais déjà mis. Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Merci, fan. Oui, la caisse là. Voilà, j'attendais que l'alerte parte. Là aussi, c'est cool. Module d'optimisation. C'est cool pour le vaisseau en fait. Ça va me permettre d'avoir des options supplémentaires dans mon vaisseau plus tard. Donc faut précieusement les collectionner. Mais oh, avec un peu de chaleur, il est 11h. Ah, peut-être que pour 13h je vais réparer mon vaisseau le minimum pour aller sur notre planète. Peut-être. Oh non, c'est une arène de boss. Non, c'est une arène de boss. Je pourrais pas remonter en plus. Je vais sauter dans l'arène, je vais me faire exploser la tronche. Non, mourrez, l'élastico. Ah! Au secours, mais il est horrible lui. J'avais oublié. Non, tu griffes pas. Tu couches le chien. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Non, je vais mourir, non. Le flingue. On ne panique pas. Les petits d'abord. Et petit d'abord, je vais me soigner vite avant qu'il me touche. Vite, 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 vite. Ah, au secours. Les soins, vite. Je ne panique pas. C'est pas grave, c'est déjà le cas. Non, mon flingue s'est épuisé. Vite, qu'ils sont rechargés, moi aussi. Aïe. Il m'a griffé. Assassin. Meurs avant que mon flingue se décharge. Oui, je me sens déjà mieux. Ouch. Toi, je vais pas t'attaquer là-dessus. Voilà. Bon. Je suis content, j'ai bien géré. Oh, c'est quoi? Des fléchettes. Hop là. Bonjour, bonjour. Bonjour, fan. Oui, t'as vu que ma vocale était ouverte. Comme je restais dimanche entier sous Starbound. Je lui dis tiens, je vais être souple et puis ça permettra de bavarder en même temps. Oh, ce que je récolte est très bon. Ça va, tu souffres pas trop de la chaleur, fan? Non, ça va. On fait aller, hein. Bon. Mais ouais. Anecdote, chaleur sur chaleur, hein. J'ai pas eu de bol, en fait. Donc quand ce matin je me lève aux alentours de 10h, ça changera de 11h, hein, pour aller voter. Donc voilà, on passe parce que je fais mon devoir citoyen, tu vois pas pour qui. Et après, je vais de retour, puisque sur le chemin du retour, il y a une boulangerie. Ma boulangerie. Donc j'y vais, j'achète mon pain. Et jusque-là, pas de bol pour moi. Le pain, il venait tout juste de sortir du four. Ah vache! Ça fait que je suis rentré en me faisant mal aux mains un petit peu, quoi. J'ai fait quelques pauses. En hiver, c'est. C'est passable de faire le trajet. Alors, elle n'est pas trop loin de chez moi. Je sais pas, il y a 100, 150 mètres. C'est pas très loin, mais... À pied... Bonjour, Bazo. Bonjour, Bazo. Bazo. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Donc, chez moi...
Ah, bonjour Mélissa. Bonjour Mélissa, j'espère que tu vas bien. Oui, donc c'était désagréable pour toi le coup du pain chaud, quoi, en ce moment, oui, c'est sûr. Oui. Ah, bonjour à Arachini. Bonjour, oui, c'est vrai que c'est pas facile. Ah, Arachni, oui, je sais pas comment on dit d'ailleurs, pardon. Bazou. Bah, Oui, alors. t'as qu'à l'écrire Comme Bazou. tout le monde Oui. vient d'arriver, je précise, normalement, j'aurais dû faire une journée la matinée sur Final Fantasy, sur PS3, et l'après-midi sur Minecraft. Vous aurez deviné qu'avec la chaleur, j'y renonce, parce que il fait vraiment une cuisson à l'étouffée chez moi. C'est pas pour 3 heures de Final Fantasy que je vais prendre le risque de perdre ma PS3, je n'en ai qu'une. Donc c'est pour ça que je fais du Starbound, qui est en 2D, ça demande moins de ressources. Et du coup, on va faire du Starbound toute la journée, puisque je renonce même au Minecraft pour l'après-midi. Puisqu'on a fait un petit peu de Minecraft en plus hier, c'était pas prévu, donc voilà, on va dire que c'est une compensation. Voilà, vous comprendrez. Pareil, la webcam qui m'a fait un caca nerveux ce matin au démarrage de l'ordi. Moi, je coupe la webcam, ça permet de me mettre torse nu et ça me permet de survivre à la chaleur. Merci de votre compréhension. Oh, ma pauvre Mélissa, je suis pas allé voir depuis que tu es revenu faire ton voyage en France. Je sais que tu avais prévu de faire des vidéos sur place. J'irai volontiers regarder prochainement ta chaîne YouTube. Je te cache pas que j'ai pas réussi à me dégager suffisamment de temps pour voir tout le monde, mais ma chère Mélissa, sache que je ne t'oublie pas. J'aurais plaisir à voir tes productions peut-être dans le courant de la semaine à venir. Au plus tard, à mon avis, dans 15 jours, ce sera fait. Voilà. Et bon, bah, puisque tu t'appelles Bazou, comme chose promis, comme chose due, je t'ai dit hier que je suivrai ta chaîne, c'est chose faite. Ça y est, je me suis abonné. J'ai oublié de le faire hier soir, j'étais un peu fatigué. Mais voilà, donc, je te dis maintenant, c'est fait. Ah, merci pour Bazou. Ah bah Bazou il diffuse à l'occasionnel. Va me Mais ban parce si. Oui, pardon. Il va me ban parce qu'il est pro-Steam. Il va essayer de s'en tenir bientôt à des horaires fixes, Bazou, mais bon, il sait pas trop encore. Mais merci pour lui, ouais, c'est sympa. Mais je l'ai dit, je le fais, c'est tout. Voilà. Ah, c'est un homme d'engagement, hein, Bazou, notre fun fan. J'essaye au mieux. Mais disons que je tiendrai plus mes promesses que les futurs députés élus, on va dire ça. Il y a trop d'ennemis ici, c'est la fosse aux ennemis. Excuse-moi, je crie parce que je me laisse surprendre. Non, je plaisante. Si on commence à dire des trucs comme ça, on crée la le dégoût politique et ça va pas remonter les choses. Alors, je sais pas si c'est ton cas, mais moi je me suis rendu au bureau de vote vers les 9 h. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de monde au bureau de vote. Je présume que les gens sont malins, ils se sont dit avec la chaleur, on va y aller le matin pour pas mourir l'après-midi. Donc, je sais pas si le taux de participation sera meilleur, mais ça m'a fait bizarre et ça m'a fait plaisir de saluer pas mal de monde. Parce que dimanche dernier, j'avais croisé juste un votant en fait, et un deuxième en sortant. En dehors du personnel évidemment qui est sur place. Mais ça faisait tristouner quoi. Alors que là, sans déconner, il y avait presque une dizaine de votants. Oh génial! Encore un module d'optimisation du vaisseau. Oh, j'ai du bol. Ah, pardon, faut que je vous lise dans le chat. J'en arrive à vous oublier, c'est honteux, pardon.
Alors, Mélissa qui dit, t'inquiète, c'est pas grave, je suis en vacances en France. Ouais, profite. Alors là, j'espère que tu cuis pas trop, ma pauvre Mélissa. Parce que là, bon, pas de bol, quoi. C'est bien, profite. Oui, tu sors moins de vidéos, tu profites de tes vacances. Mais c'est ça qu'il faut faire. T'as raison, Mélissa. T'as bien raison. Profitez, profitez. Puis c'est bien, au moins, tu profites de ta famille. Je sais surtout ton papa, Mélissa, comme... C'est un homme qui travaille beaucoup et qui est souvent absent puisqu'il se déplace énormément sur notre petite planète. C'est bien, au moins tu profites de tes parents, c'est très bien ça. Oh hey, je suis en train de penser à toi, Mélissa, je me dis, comme t'es pas spécialement à l'aise avec le français à l'oral, je sais que ta compréhension est excellente, même à l'écrit. Mais je pense qu'à l'oral, avec cette chaleur, quand tu dois entendre les Français parler sur la voie publique, mon avis, ton cerveau doit bouillir. Fais pas trop d'efforts, Mélissa. Va pas t'épuiser à la compréhension orale du français. Pour peu que tu sois dans une région française où il y a du patois local, t'es pas dans la mouise, ma pauvre. Ah là là. Mais c'est bien. Ça fait une belle expérience de vie. Ah non, mais t'es une championne, Mélissa. Ah là 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 là. Ah, j'en doute pas que tu progresses. Pour ma part, je ne peux pas constater des progrès puisque je n'ai pas connu comment c'était avant. Mais pour avoir discuté avec Mélissa, si, bon, il y a quelques fois, elle te demande quelques mots spécifiques parce qu'elle n'est pas sûre. Mais dans l'ensemble, on comprend mieux ce qu'elle veut dire que d'autres Français et qui sont nés dans le territoire. Voilà. Ouais, c'est ça qui est beau. Ouais, c'est bien. Bravo. Bonjour Erika. J'espère que tu vas bien, que tu cuis pas trop. Là en France, nous on cuit là. C'est pour ça que j'ai changé mon programme de diffusion. Ah, oh, j'aime pas cet ennemi. Ah, il est chiant l'ennemi là. Il détale à une vitesse et il te déboîte. Ouais, bonjour Twinsen. Oh, bonjour Twinsen. Et si tu veux venir en vocal, c'est possible, Twinsen. Je sais pas, non. Je crois que vous avez jamais été aussi nombreux un matin. Merci à vous d'être là, je suis impressionné. C'était parce que ce matin, il y a ma voix, ça les attire. C'est pas faux. Non, je plaisante. Ta voix sexy et envoûtante. Oh, non, quand même pas. Et c'est vrai que je suis plus dans une période à avoir une voix de radio qu'un physique à tir. Non, c'est bien. Mais t'as déjà fait l'expérience, même en tant qu'invité, hein. Est-ce que t'as déjà fait l'expérience fan d'un studio de radio? Non, jamais. Je dirais pas non, mais jamais. Non, là aussi, j'ai envie de te dire que c'est une expérience à vivre. C'est Bazou, c'est pas faux ce que tu dis. Qui parce que bah, il généralement dit que... ceux qui apprennent le français parlent mieux que ceux dont c'est la langue maternelle. Oui, c'est vrai. Aïe, pardon. Normal, ceux qui sont nés avec le français, ils sont nés en France, donc ils ont moins besoin de faire d'efforts. Alors que ceux qui veulent l'apprendre, ils ont déjà, eux, envie d'apprendre la langue. Donc déjà, ils sont plus à essayer réellement de le faire. Alors pas tous, hein, mais en général, c'est une volonté d'eux, donc ils ont la motivation en plus. Alors que quand t'es né dans ton pays maternel, t'as pas spécialement cette motivation. T'es juste né là dans ce pays, t'as pas demandé et hop. Donc, ouais, je comprends. Ah, je tenais une petite blague que a mis notre ami Frobos chez moi. Il a marqué la poignée de porte de Normand, l'amour, bienvenue. En Lorraine, ça donne la clenche de porte. Hum.
Minecraft est passé en 2D, te dit Twinsen. C'est ça. Non mais c'est ça en plus, Twinsen a raison. Parce que Starbound, c'est du Minecraft en 2D dans l'espace. Et ça bouffe moins de ressources, enfin système, de carte graphique. Je fais pas appel aux fonctions 3D. Donc ma carte graphique chauffe moins. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix pour aujourd'hui. Bonjour Frobose. Bonjour. J'étais en train de lire ta blague que tu as mis il y a quelques minutes sur la poignée de peau. Oh non, c'est pas vrai. J'avais oublié ça dans le jeu. Il y a des mini créatures. Il y a des mini moy. Regardez, c'est la gueule des mini moy. Oh. Même si je suis le modérateur du sage, c'est pas un stream. Moi et le sage, c'est pas le stream et son le streamer et son modérateur. Vous pouvez venir si vous voulez. La vocale est ouverte à tous sur le serveur du sage. N'hésitez pas. Enfin, il y a 4 places, c'est limité pour que ce soit pas la cacophonie à l'antenne, mais oui, vous êtes les bienvenus. La clinche, on dit la clinche de porte en Belgique. Ah, j'ai la main sur la clinche des portes. Ah là, tu me la prends, Bazou. Ouais, fait chaud hein, sur Nancy, mon pauvre Frobose. C'est pour ça que ta PS3 restera éteinte. C'est sur toute la France, je crois. Bah, ça dépend des régions, mais là, Nancy, franchement... le journal local a fait un test hier. Ils ont relevé 44 degrés au plus chaud sur la place Tannes, en plein soleil. Donc, la violence. J'ose pas récolter le minerai en sous-sol, parce que ça a fait un tremblement de terre pour les petits habitants qui sont ici. Donc, je veux pas les tuer, les pauvres. Et Twinsen qui nous dit qu'il va mieux, lui, avec ses 17 degrés et sa pluie. Oh tabac, je t'envie une scène. Punaise. Il dit où, en Bretagne ou quoi? Il avait dit... oui, il est en Normandie comme Edge, je crois. Ah. Ah, je veux pas les tuer, les pauvres. Oula, la descente de la mort. Tantant. Ah! J'aurais pu faire une chute mortelle, je suis fou! Oulolololo. Ah! Je me baigne dans les richesses. À moi les minéraux. Enfin, les minerais, pardon. C'est pas la même chose. Ouais, 44 degrés Celsius relevé sur la place Tannes hier dans l'après-midi. En plein soleil, ouais, ouais. Mais je crois qu'il y a un endroit de France où ils ont relevé quasiment 50 degrés Celsius. Mais je sais plus où c'était. Ça devait être du côté de Bordeaux, je crois. Ah. On me demande s'il faut être VIP pour rejoindre la vocale ou pas. Mais non, il n'y a pas besoin. Ah, oui, attends. J'ai peut-être merdé mon paramétrage de Discord. Mais être VIP Discord en fait pour tentez toujours, vous me dites si ça marche pas dans le chat et puis j'essaierai de régler le pépin, vous donner les autorisations. Oh merde, oh là là, cet ennemi, quelle horreur. Je vais le faire au final. Ah c'est bon, c'est bien, il est coincé par ma meuf de terre. Ouf. Quoi, stick off RAM? Oh, j'ai gagné une barrette de RAM. Trop bien. Un classique universel des ordinateurs va être utilisé pour assemblage. Ah bah tu m'étonnes. J'ai gagné une boîte de RAM. Trop bien. Je confirme, il faut être VIP. C'est une personne qui me l'a dit, donc... Ah. Alors du coup, c'est qui veut essayer de venir en vocal? J'ai pas vu, pardon. Alors, cette personne me dit qu'elle ne voulait pas venir, mais qu'elle voulait juste que tu le saches. C'est tout. Ok, merci. Il n'y a pas de souci. Ok, merci pour l'info. Je ne sais pas si c'est anonyme qui m'a fait un MP, donc Je préfère ne pas divulguer son identité secrète. Oui, non, c'est mais t'as raison. Ça reste à la discrétion de l'intéressé. Il n'y a pas de souci. Mais oui, merci pour l'info. Bah, ça me renforce l'idée de l'importance
des statuts définis dans Discord et des rôles qu'on peut attribuer à sa communauté, enfin aux membres de sa communauté. Et c'est pas plus mal. En parlant de communauté, je sais pas si t'as vu, j'ai mis un peu mon pif dans Wisebot hier soir. Et ils sont en train de développer une fonctionnalité de gestion de communauté. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais quand j'en saurai plus, je te donnerai l'info détaillée, FunFan. Parce que peut-être que toi de ton côté, t'auras peut-être un intérêt particulier à le faire pour ta chaîne. C'est-à-dire? Ben je sais pas. Puisque il y a une nouvelle fonctionnalité qui va arriver, qui est en cours de développement. Ah d'accord. La gestion de communauté. Et apparemment, sous Wisebot, tu vas pouvoir distinguer des membres de ta chaîne Twitch et avoir plus de fonctionnalités que Twitch n'en propose. Donc ça peut être très sympa comme truc. Mais je sais pas concrètement qu'est-ce que ça va donner, puisque c'est en cours de développement. Mais quand j'en saurai plus, je te le dirai, je te partagerai l'information, qu'on se forme l'un l'autre. Mais c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Wisebot se repose pas sur ses lauriers et continue de se développer encore et encore. C'est génial. Petite parenthèse info-jeu que je suis en train de faire, Starbound. Quand on commence à voir la roche là, un peu marron, beige, c'est bon signe. Dans le sens qu'on approche du centre de la planète et qu'on va vraiment... Là, on est dans les couches où les matériaux rares sont accessibles. Ah, on voit même un fossile, tiens. Attendez, l'or, je vais le récolter parce que... L'or de maison du Kofi. À moi, je veux de l'or. Spook. Ah, youpi. 3 fragments d'or. Je suis riche. Pourquoi pas. Tant pis pour fossiles. C'est vrai que j'ai oublié que j'ai une lampe torche. J'ai la chance d'avoir une lampe torche dans mon vaisseau que j'ai trouvé dans le casier de rangement. Et c'est vrai que la lampe torche est vachement pratique. Eh ben punaise. Moi je suis ému. Et c'est pas des paroles en l'air. Hein. Je suis ému de vous voir aussi nombreux ce matin à 11h15 sur mon canal. Merci à vous d'être là les copains. C'est un régal. Plaisir de bavarder grâce à la technologie alors qu'on est tous peinards chez soi. Quel bonheur. Ah, il y a Olive qui vient d'arriver sur son Discord. Ah, merci, bienvenue. Oui, non, mais je t'en prie, Olive, bienvenue, bienvenue. C'est vrai que je t'avouerai que ça m'a pas choqué non plus. Dans le sens que voilà, j'ai tellement habitué à te voir sur mon antenne Twitch que par défaut, moi aussi, tu m'en poses la question si t'étais sur mon Discord, j'aurais répondu bêtement oui. Mais non, y a pas de soucis. Waouh, ces grottes! Oh mon dieu, t'as vu ça, FunFan? Toutes ces cavités à explorer, c'est la folie. Oh, il y a des cascades en arrière-plan. Je t'avoue que je réponds à beaucoup de MP, de messages. Mmh. Les joies de la com. Oh, en arrière-plan, j'avais pas vu sur la planète, vous avez vu? Il y a une espèce de vestige avec un cube, on dirait qu'il y a un truc qui gravit dessus. Vraiment en arrière-plan, là où j'éclaire, regardez. Là où il y a mon curseur rouge. Je sais pas si vous voyez mon curseur de jeu. Mais là, il y a un truc. Dans le décor. Ben, je te demande si tu as beaucoup d'heures sur le jeu. Faudrait que je regarde sur Steam mon compteur. Et encore, tous mes compteurs Steam sont faussés. Puisque souvent, en hiver, je laisse tourner mon ordi à 24. Et je laisse le jeu en arrière-plan où je fais pause. Et je le reprends le lendemain matin. Donc ça fausse mon compteur de... tu me poses une colle. Je dirais un premier chiffre, je dirais 300 heures, mais c'est peut-être beaucoup plus, je sais pas. Cumulé, ouais, j'ai peut-être fait 300 heures. J'y ai beaucoup joué en 2017, je crois, Starbound. 2017 était mon année de... Oh, tu m'as donné faux espoir, le sage. Moi, je m'attendais que tu allais dire, mes heures sur,
sur Steam sont faussées parce que je joue sur GOG. Bah, la bascule va se faire tout doucement parce que tu m'as fait découvrir GOG. Non, je connaissais GOG mais je m'y étais pas encore engagé. Mais on va dire avec l'avènement de ma chaîne Twitch. Ah bah gadaba, j'aurais pu mourir, je me suis fait peur. J'ai glissé, chef. Non, on se croirait en Grèce. Vous avez vu les colonnes? Trop bien. Tiens, torche de colonne. C'est stylé. Oh, des minerais précieux. C'est à moi. Je revendique. À moi. Oh, qu'est-ce qu'on est bien dans le voir dans l'eau. On a envie d'y être aussi. Dans oh, cette grosse folie qui a fait. Ouais. Bah. Il va y avoir bon appétit, mais non, il reste encore une petite heure. Oui, donc pour compléter la réponse pour Bazou, là c'est ma quatrième carrière dans le jeu. J'en ai eu trois précédentes, dont les deux premières, le jeu n'était pas encore officiellement sorti, il était encore en développement. Donc ma toute première expérience de jeu, c'était sur un jeu buggé. Je crois même que d'ailleurs il y a un boss qui a disparu. Il y a un boss qui existait dans la version de développement qui n'existe plus dans la version finale. Ou à moins qu'il l'ait recyclé, je sais pas où. Merde, faut que je mange, je suis en train de crever de faim. Oula, j'ai l'alerte. Bip 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 bip. Manger. Il faut du combustible. Excusez-moi. Voilà. Je suis rassasié. Oui, pour compléter la réponse à Bazou. Donc, je crois que c'est. Oh, je sais pas, j'allais dire c'est ma troisième partie quand le jeu est sorti officiellement que j'ai joué le plus longtemps. Honnêtement, je sais plus. Mais en 2016-2017, je crois que c'est l'année où j'ai découvert Starbound. Oui, bah forcément, avec la nouveauté, j'y ai beaucoup joué. J'ai passé pas mal de journées. Je me faisais pas mal de week-ends Starbound. Puis c'était l'époque où je jouais à Minecraft en modé. Et je commençais à me lasser un peu de Minecraft. Honnêtement, je saturais. Et je voulais changer un peu de jeu. Mais ouais. La. Oula. La forme de la cavité, je vais pas me jeter dedans. Oh, par contre, là, il y a des minerais, là, intéressant. Ah, je vais les extraire. Oh là, oui. Ouh, il y a un filon très intéressant. C'est de l'argent. C'est bon, ça. Avec un peu de chance, d'ici moins d'une heure, je vais faire large. On va dire que pour midi, avec un peu de chance, j'aurai réussi ma quête principale du moment, qui est de récolter 20 fragments de cristaux à énergie, les core fragments en anglais. Et je vais activer le portail pour joindre la station intergalactique. Et là, ça va nous ouvrir clairement de nouveaux horizons. On va voir pas mal d'espèces intelligentes différentes. Mon dieu, une entité hostile. Ouvrez le feu. Aïe, oui, aïe, aïe. Arrête de me dire que c'est le père. J'ai gagné. Oh. Lampe torche, s'il vous plaît. Attendez. Je descends là. Attends, ça sera mince, ça? Non. Ça va être un semblant de champignon au sol. Merde, il va me manquer des torches. C'est pas possible. Oh, et puis là, j'ai plus de bois. Tu fais rager tout le temps, j'ai qu'une envie, c'est de supprimer tes messages à des fautes de ban, mais je le ferai pas par question éthique, mais tu m'énerves, hein. Ça m'énerve. Oh non, il y a des ennemis. Un peu d'argent. Hop là, on extrait ça, du mur, de fond. Ah, les cailloux vivants. Alors, les cailloux vivants. Quand ils se mettent en léthargie, voilà, qu'ils s'endorment, ils ne touchent plus, mais on peut plus les toucher non plus. Donc on attend qu'ils ouvrent l'œil pour pouvoir les patater et qu'ils redeviennent à la fois vulnérables mais dangereux. Là, je vais lui faire mon attaque spéciale, il va rien comprendre. Ah non, ça a rien fait. Ça a compté pour un coup normal, je suis deg.
Va mourir, caillou sur patte. Voilà. Oh mince, l'autre qui arrive. Oh, j'ai pas mérité ça, moi. Bon, mon but est de toujours aller au plus profond de la planète. Là, je vais peut-être éviter de remonter. Tant pis, je vais faire mon corridor à moi. Alors, le plus chiant, une fois que j'aurai mes 20 cristaux d'énergie, c'est qu'il va falloir que je retrouve mon chemin et que je regagne la surface. Ça va être du sport, hein, croyez-moi. Surtout que les ennemis se génèrent, réapparaissent en dehors de ce qui est visible à l'écran. Donc, vu les kilomètres que j'ai à faire en souterrain, ça va être dur. Voilà, une nouvelle citation à ajouter. Ouais, oh bah c'est mieux, je me souviendrai que je parlais de Starbound. C'est vrai que c'est, je veux pas dire un ennemi emblématique, mais bon. On va dire que c'est un ennemi qui m'a marqué. Mais il est intelligemment intégré au jeu, je trouve. C'est bien pensé. Et 83 citations, ouais, on monte. Je me demande est-ce que ce sera la centième. Ouais, mystère, ouais. Bon, quand on arrive à 99, il faut improviser une phrase pour que la centième soit unique. Oh, c'est et pas du tout. Oh. Bah là, on retrouve l'ambiance à la Minecraft et une stalactite, dis donc. Il n'y a toujours pas de cristaux d'énergie. Oula. Là, j'ai du bol de pas rencontrer d'ennemis. Oh! Oh là 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 là, faudra que je m'improvise une descente. Eh oh, pas de torche et j'en ai déjà pu. Arrêtez. Voilà, je vais me faire une voie dégagée ici. Alors. Non, je vais mettre de la roche moins rare. De simplement de la terre. Si je tombe alors qu'il y a de la lave, je suis pas dans la mouise, moi. Faut vraiment que je fasse gaffe quand j'avance et que j'appuie pas trop sur la flèche du clavier. Au secours. Ah ! Bon, ça aurait pu mal se finir, mais j'ai eu du bol. Lampe torche, je suis où là ? Oh là 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 là. Ce charbon, il me le faut. La bonne vieille citation. Tu te souviens sous quel jeu c'était? Ah bah mince, c'est indiqué. Je peux même plus faire des devinettes. J'étais avec le petit Billy dans Resident Evil Zero. Je sais pas si j'étais là ou pas, mais je me souviens pas dans quel jeu c'était, honnêtement. Ça a été clippé, ça fait partie d'une des premières compiles. Je sais plus si c'est la toute première, la 10.0 de l'alpha, enfin avant le 1er janvier ou la deuxième. Oui, donc dans l'état actuel des choses, au niveau du cumul des clips, des bons moments, on est en route pour avoir une nouvelle compile d'une heure à la fin juillet. Merde, je viens de me cogner à la stalactite. Je suis un abruti. Ça m'a pas fait du bien. Oh là. J'ai plus de torche. Oh, c'est l'enfer. J'ai failli tomber dans le néant. Il y a moyen en plus de tomber dans le néant. Enfin, le tout en bas de la planète, c'est de la lave. Mais je sais plus si. Si une fois j'avais fait le test, j'avais testé le jeu, je m'étais amusé à me faire comment on appelle ça, une cheminée en pierre, où j'arrivais à vider petit à petit la lave, et en fait quand on tombe en dessous de la lave, on tombe dans le néant en fait. Vous mourrez, vous perdez tout votre inventaire, hein, parce que vous mourrez avec votre inventaire, c'est juste l'enfer. Mais c'était pour tester la physique du jeu.
je suis effrayé parce que on n'arrive toujours pas à voir dans la roche les cristaux d'énergie tant convoités. Donc faut continuer à descendre. C'est oh là là, le chemin est long. Et il y a des planètes de différentes tailles d'ailleurs. Là normalement la planète de départ elle est petite je crois par défaut. Il peut y en avoir des grosses, des grandes. Et ça peut être assez flippant. Une petite dernière et après j'en mettrai un peu plus tard. Oh mon dieu, des murs de chair. Waouh, je suis dans une zone de chair, quelle horreur. Oh mon dieu, il y a des choses ignobles en sous-sol. Oh là 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 là. C'est limite si la matière elle-même n'est pas hostile. Ma dernière torche, sniff. Je vais devoir évoluer à la lampe torche. Oh là 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 là, ça craint du boudin. Oh, je penserais pas que je serais à court de torche, dis donc. Bah merde. Je suis vraiment dans la mouise. Ah oui, tu publies ton planning, je vais me voir l'alerte. Merde, il y a l'ennemi qui est en dessous. Oui, alors je peux pas éclairer et attaquer simultanément. Je suis vraiment dans la mouise, moi. À moins que je mette le flingue là, mais... Aïe, aïe, aïe. Là, du coup, j'en profite pour voir les miennes. Il y a des fois, je suis un vrai Jean-Claude Van Damme. Au prochain niveau, moins bruyant, vous m'entendrez mieux, même si je parle pas. Tu vois, s'il n'existe pas un clip, j'aurais aimé revoir ce moment-là. Dans quel contexte je dis ça, mais bon. Tendu du string, je suis dans la mouise. Attends, j'attends que mes soins fassent effet parce que s'il me fait une attaque spéciale, il m'explose. Et j'ai gros à perdre là. Parce que le temps de redescendre en sous-sol, vas-y quoi. Ouf. Ah. Comment j'ai pu dire ça dans le contexte Omicron ? Oh là, là là là. Mon cerveau est à droite, je suis un capitaine. Le pire, c'est que j'ai moyen de me faire une... J'ai déjà le niveau technologique à la base, mais il faut trouver les ressources et c'est pas facile. J'ai une lampe torche, enfin une... Comment on appelle ça, une lampe à huile sur ma combinaison. Ce qui me permettrait d'avoir une aura lumineuse et éclairer au moins l'environnement proche de moi. Alors que là, c'est pas le cas, je suis obligé de tenir ma lampe torche si je veux voir quelque chose. Ce qui n'arrange rien pour les phases de combat. Oh là là... Attends. Je vais mettre de la terre parce que quand il va falloir remonter, je serais bien content d'avoir le bloc de terre déjà disposé. Waouh, c'est quoi ça? Oh, c'est un aliment ça. Merde, je veux pas remonter, je veux descendre, bordeloum. Oh, puis je commence à avoir faim. Ça, je peux le manger? Non. Ah ça se mange. Ça me fait du bien ou ça me fait du mal? Parce qu'il y a des aliments qui peuvent faire du mal, hein, en fonction des espèces. Apparemment ça me fait du bien. Oui, il y a des téléporteurs, Frobose. Ouais, ouais. Alors, tu peux en trouver et tu peux, toi, en installer. Mais ça coûte une blinde dans Starbound. Mais ouais, j'ai déjà fait par le passé dans une partie dans laquelle j'étais bien avancé. Et ça te rend de fier service, quoi. Donc, ce qui est sympa, c'est de se faire une base secrète dans certaines planètes en sous-sol. Et pour accéder facilement, bah, tu installes un téléporteur. Ce qui fait que depuis ne serait-ce que le téléporteur initial de ton vaisseau, tu...
quand t'es en orbite de la bonne planète, tu te téléportes directement dans les sous-sols de la planète, dans ta base secrète, ce qui t'empêche de t'exposer à toutes les hostilités en surface de la planète. Franchement, c'est extra. Ah, les v'là enfin, les cristaux, vous les voyez en bas à droite? Ah non, peut-être pas, mince, vous avez le chat. Attendez, vous allez les voir. J'arrive enfin au niveau souhaité. On y croit, on y arrive. On va accomplir la première grande mission. Youpi. Un éboulement d'os. Oh non. Ah, il pleut chez toi, Bazou? T'as un peu de fraîcheur? Miracle. J'en profite qu'il y a Phobos parce que je sais que quand on joue à Age of Empires 3 ou Age of Empires 2, il n'a pas trop le temps de m'écouter. Donc, je profite qu'il est là. Et je ne savais même pas que... Il y a des citations, je les découvre, hein, parce que je les ai dit sur le moment et je ne me souviens pas que je les ai dit. Et j'aurais dit à Phobos, si la carte rame, c'est parce qu'il y a la mer. Hein. Bah oui. C'est bien, on fait le remake des blagues maintenant. Je suis un écologiste. C'est chaud, lolo. C'est là où on voit que j'ai quand même un peu d'expérience dans le jeu parce que les débutants seraient malencontreusement complètement débordés. Ce serait la panique. Ah, mais bien sûr, t'es la bienvenue, Olive. Y a pas de soucis. Mais oui. Viens donc. Mettre le statut de VIP. Ah oui, il faut que je mette le statut VIP, t'as raison. Attends, ça va être l'objet d'un clic rapide. Attends, je peux pas vraiment faire pause dans le jeu, donc attendez. Olive, attends que je te donne un statut de VIP. T'es où, ma grande, mes chères Olive? Olive, rôle VIP. Voilà, tu vas pouvoir sans souci. Il est évident que je t'accorde toute ma confiance pour venir bavarder. Hop, le jeu, excusez-moi. What the fuck? J'imagine pas que mon serveur il était aussi actif pour que t'aies 171 notifs. Et... Ouais, ça va vite. Ça va vite. Et j'imagine pas qu'on était aussi actif. Ou ça fait tellement longtemps que t'as pas regardé que... Tu vas normalement en bas de mon Discord, tu dois voir les salons vocaux. Et là, obligatoirement, c'est le direct Twitch, le salon vocal direct Twitch, puisque je suis en direct. Parce que j'ai déjà eu un petit incident par le passé où je m'étais juste vocal Minecraft. Souviens-toi de Cobra, mon cher fun fan. Et la demoiselle s'était laissée surprendre dès qu'on lui avait dit qu'on passait en direct sur Twitch. Ce qui fait que, elle a vite redisparu. Parce qu'elle voulait pas être immortalisée dans les enregistrements. Et ce que je comprends parfaitement. Après, c'est pour ça que j'ai intitulé ce nouveau salon direct Twitch pour faire comprendre explicitement que tout ce que vous dites sera enregistré. Après, pour l'ami Olive, en tant que streameuse, ça devrait aller. Surtout pour les personnes qui ne sont pas streamers, qui peuvent être plus dérangées à faire découvrir leur voix. Oui, bah oui. Ouais, c'est toujours bien de prévenir parce que ça arrive. Hein. Oui, non mais c'est très élégant de la part d'Olive. C'est comme l'élégance que m'avait faite Bambastos sur mon antenne. Souviens-toi quand je vous avais invité à parler de catch quand je jouais à Minecraft sur mon antenne, sachant que je suis pas un initié du catch. Et il m'avait gentiment dit, est-ce que le sache, ça te dérange pas qu'on parle de catch sur ton antenne? C'était très élégant de sa part. Et que oui, que je suis friand que vous m'appreniez plein de choses sur des domaines que je ne connais pas. Bienvenue Olive. Yop. Yop. Oui, c'était complètement nul. Mais non. Bonjour. On dirait que t'allais à l'essentiel. Oui, surtout aujourd'hui. Hein. Ouais, vu la fatigue. C'est pour ça que je vais peut-être pas avoir grand chose à raconter, mais c'est pas bien grave.
Bah, c'est là où je fais un peu mon indiscret et profiter que tu sois sur la vocale. Je faisais l'observation là avec Funfat tout à l'heure, c'est par rapport au bureau de vote et la chaleur. Moi, j'y suis allé ce matin aux environs 9h et j'étais surpris de voir autant de monde dans le bureau de vote. Et évidemment, je devine que les gens étaient malins et se sont dit on va y aller le matin pour pas rôtir l'après-midi. Est-ce que tu as fait le même constat si tu es allé te rendre aux urnes ce matin, ma chère Olive? Ouais, plus ou moins, ouais. Et j'ai remarqué que les gens avaient eu forcément la même idée, compris d'aller jeter les poubelles le matin, juste avant. Oh la vache, oui, ça va sentir bon. Mais... ça commençait déjà à sentir très bon, hein. Surtout que là, les poubelles étaient en plein soleil, donc bref, et, ouais, pour aller voter, bah, c'était pareil. Il y avait, bon, c'est à y avoir un petit peu de monde. Bon, après, quand je dis un petit peu de monde, par rapport à la commune où je vis, c'était pas beaucoup, quoi. Mais bon, voilà. J'ai fait mon devoir de citoyenne. Mais si Olive, t'as pas grand chose à dire, c'est pas grave, ça me laisse plus de place pour dire de conneries. Hein. Ah ben voilà, ah, bravo, c'est du propre. Ah ben comme les poubelles, hein. Et voilà. Oh mon dieu. C'est dégueulasse. Mais, fait à Tristan, il y a 3 semaines, là, il y avait les 50 degrés Celsius du côté de l'Inde et du Pakistan. Et ils ont eu un incendie de décharge à ciel ouvert. Hein. Ça se consumait, il y avait de la fumée qui sortait, qui émanait des monticules de déchets à ciel ouvert. Et c'est horrible. Ça fait partie des gros soucis du réchauffement climatique, là. Tiens, le sage, la capture d'écran, intéressant. J'ai à nouveau ce bug d'utilisateur suspect, puisque on me le met pour Bazou, excuse-moi. Ne t'inquiète pas, même moi, quand je mets les... truc, on me dit utilisateur surveillé. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est les commandes Wizbot qui sont des utilisateurs suspects. Ah, c'est très bizarre ça. Enfin, pas Wizbot, des commandes de chaîne, pardon. Précis. Ouais, bah c'est un bug à corriger. Bonjour, David Olive. J'espère que tu cuis pas trop dans ton secteur non plus. Oh, David. Bien. Ça fait un moment que je suis pas allé sur ces streams, c'est la honte. Ouais, c'est difficile de suivre les uns les autres. Moi, souvent, je suis dans la découverte en fait des diffuseurs dans le giron d'Aerostar, mais je suis en contradiction parce que je découvre du monde, donc forcément, je passe moins de temps avec les précédents et j'ai la contradiction d'avoir de moins en moins de temps pour Twitch. Alors, ça devient très dur. Ah, mais c'est compliqué à gérer, je confirme. Ouais, super, on a 2 olives, maintenant il nous manque Tom. Un Tom. Oh, fun fat, t'es terrible. Allez. Ou le citron, on attend le citron aussi. Monsieur Zest. Oui, je suis en train de réfléchir à ceux qu'on connaît plus ou moins la chaîne respective. Alors, j'étais un peu rassuré parce que c'est un petit mot que j'avais pas vu sur son antenne. C'est évidemment, ça va te parler, Olive. Je pense évidemment à Morbo, roi des Gorées, là. Morbo Sapin, roi des Gorées. Ah oui, pardon, à chaque fois je me plante. Je vais faire ça, je vais dire Morbo. Oui, faut mieux dire Morbo. Parce que si c'est pour fusiller son pseudo complet, ça va pas le faire. Mais tu as raison, merci de m'avoir corrigé. Pareil, Morbo, faudra que je puisse lui faire un relais de chaîne prochainement, là. Mais bon, on n'avait pas les agendas synchronisés, on va dire. Ouais, mais t'inquiète pas, il fait un peu comme moi, il stream dès qu'il a un peu de temps ou quand il veut, et t'inquiète pas, il t'en veut pas. il t'en veut pas. Oui, je sais qu'il est baba cool. Mais moi, c'est vrai que j'ai plaisir à le regarder quand il diffuse, parce qu'il est posé, il est... J'aime bien les personnes qui sont posées calmes. Il y a eu des moments où il était un peu moins calme, hein, surtout quand son clavier et sa souris déconnaient à mort, et ça je peux le comprendre, ouais, à un moment donné il était vénère. Bah ouais, tu peux que rager. Je sais plus sur quel jeu il était, mais je me rappelle plus, mais ouais, ça le saoulait, mais c'est normal, quoi. Bah oui.
Ah oui, j'ai pas tué les bandits, c'est vrai, dans le... Oh là là. Il est où le compteur de cristaux? Je sais même pas combien de cristaux j'ai, il m'en faut 20. Attends, dans l'inventaire, il me va me dire combien j'en ai. Je sais pas où c'est. Ah, c'est là. Ah, j'en ai 51. Ah bah ça va, j'ai plus du double. Faut que je remonte à la surface. On est proche de la fin de la mission, youpi. Ouch. Évacuation. Alerte rouge. Oh mon dieu, non, pas lui. Ah! Aïe, pince, dégâts de chute. Ah non, 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 il me tabasse. Oh là, je suis dans la mouise. Ah, je suis pas sur un terrain plat. Il faut que je me batte sur un terrain plat, sinon je suis mort. En pente, il va m'exploser. Il va me plaquer façon rugby et je serai... Je serai tout raplapla. Non, je crois que j'avais... Ah bah non, je dis... Non, non, bah non, je dis des bêtises. Faut que je retrouve mon chemin à la surface, ça va être chaud. Chaud les mirettes. Oui, on voit que j'ai fait une excavation. Hop, 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 le palais, oubliez-moi, oubliez-moi. Voilà. J'ai pas envie de me battre, j'ai juste envie de me barrer. Excusez-moi, du coup, je vous coupe la chic dans la conversation, mais je suis concentré à me barrer. Oui, je retrouve mes torches. Déjà, là, c'est rassurant. Parce que j'arrive plus à sauter. Oui, donc je disais, Morbo, j'apprécie parce qu'il est posé, même si effectivement tu parles de l'incident ou de la technique ne suivait plus et c'est extrêmement rageant. En contre-exemple, et je comprends que il faut tout pour tout le monde. Ça, évidemment, je suis pour, évidemment, à 100%. Mais sur YouTube, j'ai un jeune excité, et c'est le peu de le dire, qui, d'ailleurs, son pseudo fait honneur à son excitation constante, qui est Furious Jumper. Ouh, quand il coupe la caméra, ses enregistrements, le mec, il doit être épuisé, c'est pas possible. Il se met à hurler pour un rien, à s'exciter, à gesticuler face caméra... Il m'épuise ce garçon. Mais il y en a qui clairement en font trop quand même, j'avoue. Ouais. Autant il y en a qui jouent en quelque sorte un rôle, mais voilà, c'est des personnes qui sont assez optimistes, qui te donnent la pêche et tout, il n'y a pas de problème. Et d'autres, c'est comme tu dis, c'est juste épuisant quoi. Enfin, c'est foi. Mais je connaissais pas ce personne. Bah, Furious Jumper, je sais plus sur quoi j'ai découvert. Peut-être sur un des rares jeux Java que j'ai fait dans mon navigateur, et Dieu sait que c'est dangereux les jeux Java parce que. Enfin, en ligne. Non, Adobe Flash, je dis des bêtises, pas Java. Java c'est bien, c'est Adobe Flash qui est maintenant n'est plus installable parce que c'est bourré de failles de sécurité. Bref, tout ça pour dire que. Je suis en train de me perdre. Je sais plus si je suis arrivé par là. Oh, un coffre! Merde, des ennemis! Il y a récompense à zigouiller les deux là. Bref, c'est pas pour moi les exciter. Non, mais ouais, non, c'est clairement. Ah bah, Bazou le connaît. Il dit je connais Furious Jumper, dit Bazou. Je l'aimais beaucoup quand j'étais ado, maintenant moi. Oui, puis il a peut-être évolué lui aussi, mais pas forcément dans le sens où vous l'appréciez quoi. Ouais. C'est la vie. Ah, coffre de pierre, il y a quoi dedans? Oh! Oh! Un chapeau de pierre! Oh. Est-ce qu'on peut y chier dessus ou pas celui-là? Fun fan, tu es redoutable avec va déféquer dans ton chapeau. Ah, j'avais pas fait le lien moi. Je comprenais pas. Oh, c'est la phrase fétiche, limite la devise de Fun Fan. Oui, 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 ça m'est revenu après. Mais dans votre couvre-chef. Voilà. Bah, c'est surtout que c'est une pile en totem de cailloux à mettre sur le crâne. Donc, oui, mais pareil, je vous ai pas montré, mais j'ai récolté un instrument de musique. Il y a plein d'instruments de musique à récolter. Alors, c'est bien que vous êtes en multijoueur, vous pouvez monter un groupe. Mais c'est extra. Waouh. Attendez, je vais jouer de la musique. Il y a plein de morceaux. Oui, Wish You a Merry Christmas. Oui, c'est un petit peu idiot de jouer ça maintenant. Sur la plage, voilà. Alors, soit c'est OBO, je sais plus ce que c'est, piano ou violon.
Alors, sachant que j'ai une flûte de pan, OBO, c'est peut-être les meilleures notes. On va jouer ça. Non, le slogan officiel, c'est bateau, bateau. Oui. Bien que je le dis de moins en moins quand même, parce que je suis dans ton chapeau. À une époque, je le disais tout le temps à tout bout de champ. Je me suis quand même bien calmé là-dessus. Oui, bah tu t'assagis avec l'âge, c'est normal et c'est rassurant. Mais quand j'entends le mot chapeau, je ne peux avoir une pensée. Et en plus, avec cette chaleur, je sors toujours avec un chapeau. C'est horrible. Ouais, bah oui. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas mis ma coiffe tout à l'heure en allant voter. Je voulais pas avoir un truc sur le crâne. Puis c'était pas pour trois quarts d'heure de sortie. Je pense que vous entendez la musique. Moi, quand je suis dans la vocale, je coupe le son du stream, sinon ça me fait de l'écho. Ouais, pareil. Du coup, je n'entends pas. Mais c'est pas grave, je remettrai la rediffusion. Non, puis je rejouerai le morceau tout à l'heure, je pense. Sûrement dans l'après-midi, j'aurai d'autres instruments de musique. Alors, vous pensez bien que je vais m'amuser comme un gamin à jouer des différents instruments. Au fur et à mesure que j'explore, j'ai des différentes récompenses. Et lui, il va me poser problème. Vite, faut que je me barre. Alors. Mais voilà quoi. Alors, je vais parler un peu technique dans Starbound et de la musique. Donc, je pensais que c'était des fichiers MIDI. Pour ceux qui connaissent, en fait, MIDI, enfin ceux qui connaissent pas, le format MIDI est un célèbre format d'informatique de musique. C'est. Dites-vous que les premiers ordinateurs, déjà, il y avait moyen de faire de la musique. À défaut d'avoir une carte son propre. C'est une puce électronique qu'on retrouve quasiment dans tous les ordi pour faire de la musique de synthétiseur. Donc en gros vous avez 127 instruments émulables. Et bref, ça permettait à l'époque déjà dans les petits jeux de faire de la SICMU quoi, c'était très sympa. Aujourd'hui encore, hein, bien évidemment, on peut composer en MIDI. Et il y a des titres sympas qui sont gratos sur internet. C'est qu'avec la technologie MIDI, c'est-à-dire la musique de synthétiseur. Bref. Dans Starbound, j'ai été surpris quand j'ai mis mon nez dans la coulisse et farfouillé les fichiers pour voir comment le jeu était fait. Parce que technicien informatique que je suis, évidemment, par des formations professionnelles, j'ai pas pu m'empêcher d'aller essayer de décortiquer un peu le jeu. Pour voilà, pour. C'est toujours une expérience riche en enseignement, je faisais mon curieux. Tout ça pour vous dire que le format de musical n'est pas courant. C'est un format de musique qui s'appelle ABC. Et j'ai farfouillé sur internet s'il y avait des partitions qui étaient gratos, téléchargeables. C'est le cas. Mais propre au format ABC, qui est un format, on va dire, amélioré du MIDI que je vous ai expliqué en synthétiseur, qui est donc le format de musique pour ce jeu Starbound, sur internet vous trouvez énormément de balades irlandaises. En téléchargement. Me demandez pas pourquoi, mais il se trouve que les balades irlandaises sont très populaires dans le format musical ABC. Donc je pourrais intégrer, si je le souhaitais, des balades irlandaises, mais je sais pas si j'aurai les droits de diffusion, donc je vais éviter. Mais sachez que c'est techniquement possible. Sans parler du fait, bien évidemment, que vous pouvez composer par vous-même. Alors j'ai plus le nom en tête, mais il existe des logiciels gratos pour composer de la musique, des partitions en ABC, et que vous pouvez ensuite intégrer à votre propre jeu. Starbound. C'est-il pas beau? Ah mon dieu! Un requin sur pattes. Il va me bouffer. Ah! Merde, j'ai faim en plus. Ma barre de faim qui est quasiment vide. Je veux pas mourir! Vite, faut que je mange. Surtout que je rapproche de la surface, donc ce serait ballot de mourir si proche du but. Alors le riz nourrit bien. Le poulet il est pas cuit, je vais éviter de le bouffer cru. Encore que faudra que je fasse des tests, sans déconner, en tant que robot. Peut-être que le poulet cru me nourrit peut-être plus qu'un poulet cuit, contrairement à un humain. Ça y est, je suis rassasié là, je suis en train de manger plus qu'il ne faut. Oh, oh bah c'est bien, il va être bloqué avec ma motte de terre. Je bénéficie d'un avantage. Il me chargeait le salopard, vous avez vu? J'avais un avantage stratégique majeur là. Je l'ai vraiment bien posé ma mode de terre. J'ai pas fait exprès, mais ça tombe très bien. Allez, donne-moi du loot, comme on dit en anglais. Donne-moi du. Pas du pilou, mais. Du matos. Oh, les petits mini-moys habitants. Je vais pas toucher aux mini-moys. Ils m'ont rien fait. Par contre, je voudrais bien retrouver mon chemin. J'étais où en haut, moi? Attends, j'ai torché, j'ai mis des torches.
Merde, c'est un cul-de-sac. Non, c'est le cas de le dire, c'était pour mettre en lumière les mini-moys là, mais je pense que je viens de là-haut. Oui. Ou alors je mets de la boue. Ouais. Parce que la boue, j'en fais pas grand-chose en vrai. Donc autant que ça me serve d'escalier, meuble. Oh, ils ont leur mini-hôpital, ces mini. Le mini-hôpital des mini-moys. Oh. Je devrais les appeler les mini-taupes, puisqu'ils sont à l'intérieur de la planète. Sous l'écorce. Ah! C'est bon de retrouver la civilisation, ou presque. Ah oui! J'ai quasiment gagné, on y croit. Il n'y a plus qu'à espérer que j'ai pas un comité d'accueil de Maboule à la surface de la planète. Parce qu'il faut rejoindre un autre coin de la planète. Il faut que je rejoigne le portail de téléportation intergalactique. Si je veux rejoindre la station orbitale, non. La station galactique, elle n'est pas en orbite de la planète. C'est mon vaisseau qui est en orbite, là. Ah, mon Dieu! Oups. Attendez, faut que je me fasse un escalier. La 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 la. Je pense que dans l'après-midi, dans ma partie de l'après-midi, vous me verrez faire un petit peu ma Valérie d'Amido dans mon vaisseau. Oh, c'est quoi ce gangbang? Quelle horreur, au secours, je me barre. Ah, cours, Forest. Ah, lui, il me fait peur. Tiens. Ah oui, j'allais dire, si, il y avait un ébouli. Je vais pas prendre le risque que je vais me soigner. Ce serait vraiment stupide que je meure alors que je suis quasiment arrivé à la fin de ma mission. Il faut que j'atteigne le portail. Ah, c'est vrai qu'il y a des ennemis en surface qui m'attendent. Merde. Il y a un humain. Salut humain. Eh, étranger, si tu veux regarder les cristaux d'énergie, tu dois trouver... J'ai pas le temps de lire la suite, tant pis. De toute façon, je les ai, les cristaux d'énergie, donc... Ah! Quelle horreur! Ils m'ont allumé, les salopios. Assassin. C'est quoi cette épée? J'ai pas le temps de regarder, ils m'attaquent. Salopard! Non, mais ils vont me buter! Mais ils sont à 5 contre moi, c'est dégueulasse, ils ont des armes à feu. C'est un scandale. Ah! Ils vont me buter? Verdoum. Attends, je vais essayer de ruser avec le relief. Oh non, 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 non. Ça va, lui c'est pas un hostile, bah j'ai du bol. Lui c'est un hostile, je crois. J'aime pas sa corne au front. Aïe! Ah, ils mettent des balles dans l'arrière-train. Non, va mourir toi. Non, pas l'homme à la massue, va me buter. Tiger. Oh, puis il y a les chauves-souris qui m'ont. Oh là là. Au secours! Toute la planète est devenue hostile contre moi. Il va falloir que je mette un SOS intergalactique. Ah, un petit endroit de repos avec des petits poissons. Voilà. Oh, je suis dans une mouise, comme vous pouvez le voir dans le jeu. Mais où est mon flingue? J'ai rangé mon flingue. C'est pas la flûte de Pan que je vais réussir à les pacifier, les mecs. Hein. On n'est pas dans... chez les bisounours. Zelda. Ça se trouve, il serait sensible à ton... art musical, hein. Ça, je non, sais pas. Non, pas sensible à la politique, je suis désolé, Olive, le pipeau, c'est pas pour eux. Joli, joli, joli. Merci. Nous sommes un dimanche électoral, je parle très mal. Non, non, ah. Mais je comprends complètement. Non, mais je salue effectivement ta logique, Olive, effectivement, dans le jeu, je t'avoue que j'ai jamais expérimenté. Avec la, on va dire que la musique adoucit les mœurs. Sauf que eux, je crois vraiment que c'est la musique qui va adoucir le meurtre. J'y crois pas vraiment. Mais ça pourrait... ça pourrait marcher, à vrai dire. J'ai jamais essayé. Bon, là, je suis trop faible. Mais peut-être que j'aurai l'occasion... Ou alors qu'on n'y aura qu'un survivant humain, là, dans les assaillants.
Je vais peut-être essayer de lui jouer de la flûte de Pan, mais j'y crois pas. Mais ça vaut le coup d'essayer. Je repense tellement au ménestrel dans, dans les Monty Python, sacré Graal, mais... Ça fait une éternité que j'ai pas eu. J'avais regardé ça avec mon papa quand j'étais ado. Donc les Monty Python, ça fait 20 ans que je les ai pas vus. Et j'ai quasiment oublié. Mais c'est vrai que c'est culte. Mais c'est tellement culte. Voilà. Diviser pour mieux régner. Là, de les avoir écartés en binôme chacun, c'est déjà plus gérable. Parce que les 5 d'un coup, quand ils sont sortis de la mine, je te dis pas le comité d'accueil. Quand t'es débutant, c'est... Attends, je vais me soigner, hein, parce qu'il m'a donné, forcément. Faut que je fasse gaffe à ma barre de vie. Oh, le barbu, je vais te cuisiner, je te le dis, moi. Mais pourquoi j'ai pas pu faire mon attaque, moi? Ah, j'ai pas la bonne épée. Mais non, mais j'ai pas la bonne épée. Quel abruti je fais? Je suis trompé d'arme. Ah. Ouf. Un en moins. Lui, c'est limite si je lui balancerai pas les bombes. Parce que je saurais pas quoi en faire, mais... Ou alors je vais essayer la théorie du pipeau, comme il est isolé. Alors, où est mon instrument? Sans mauvais jeu de mots. Allez, laisse-toi séduire par mon bel organe. Oh merde, je suis tombé dans le trou. Au secours! Non! Non, 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 non! Non, monsieur, je suis pas sadomasochiste. Ah! Lâche-moi! Au secours! Il va me buter, il va me buter, il va me buter. Oh, j'ai chaud. Tellement de références sales en même pas quelques secondes, c'est formidable, quoi. Oui, pardon, c'est violent. Est-ce que ce bel organe... dépasser ma pensée, comme on dit. Excusez-moi. Est-ce que ce bel organe donne des orgasmes? Fun fan, on joue pas les mêmes partitions, s'il te plaît, un peu d'élégance, je t'en prie. C'est malin, ça. C'est ton civilisé, tout de même. Bah, moi, du coup, j'allais dire, je vais jouer de l'instrument, mais non, je l'ai neutralisé, le mec. J'ai l'air io. Oh, la pluie arrive. Moi, venir, j'ai un... pas connaître civilisation. Ah! J'allais cuire mes deux poulets et puis. Oula, 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 je suis en danger là. Oula, là, on se calme. Cessez le feu. Ouch! Mais ils ont de la portée avec leur flingue, c'est horrible. Pardon, je lis plus du tout mon chat du coup. Excusez-moi, je suis complètement pris dans la conversation orale et le jeu. Attendez, je vais pacifier la zone, je vous promets de marquer une pause et de vous lire dans le chat. Je ne vous oublie pas. Ah! Mais je suis vraiment dans la mouise, son arme elle est puissante. Merdoum. Oh non, il y a les pieufs qui m'attaquent maintenant. Oh puis, ah, ils sont plusieurs. Non, 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 alors là, je démissionne. Au secours. Ah! Aïe! Attends, est-ce que... Ah non, merde, j'arrive pas à faire des sauts assez importants. J'aurais... Oh non, mais non, mais non, mais non. Je vais me faire vraiment gangbanger, là, sans déconner. Il y a trop d'ennemis à l'écran. Au secours. Aïe, 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 aïe. Ça va pas... Non, mais ils vont me buter, non. Ah, puis j'ai la notification Discord en surimpression, donc du coup, je vois plus ma barre de vie. Oh non, je suis quasiment mort. Téléportation, je suis dans la muse. Signal de détresse vite, rapatriement d'urgence dans le vaisseau. Surtout que j'ai de la thune, et j'ai 1400 et quelques, je veux pas perdre ma thune. Alors, info dans le jeu. La thune, là si je meurs, je vous rappelle que j'en perds un gros pourcentage, ce qui est vraiment dommageable. Et c'est plus tard que je vais pouvoir, un peu comme dans les jeux de société, dire banque. Et sauvegarder, préserver mon capital de sous-sous. Mais c'est bien plus tard. Quand il y a, je sais plus comment s'appelle la machine, mais on peut en fait stocker ses sous et ça permet de se faire une véritable richesse après et mourir sans grosse perte. C'est stratégiquement super important, mais ce sera pas pour aujourd'hui, on le verra pas la machine. Ce sera bien plus tard, il faut plusieurs heures de jeu. Alors pardon, ça y est, je vais vous lire, excusez-moi dans le chat, il est déjà midi, bon appétit pour ceux qui passent à table. Bazou qui en plus a fait jouer le hydrater le sage, j'avais même pas lu, mais merci Bazou. Alors, vous vous saluez entre vous, je relis mon chat, hein, je précise. Clac, 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 clac.
Et après, on aura qu'à chercher une nana, Tom Tom et nana. Ah oui, mais c'est vrai, j'ai connu cette. Je sais pas si vous avez connu, vous. J'ai connu Pazou, c'était mes lectures quand j'étais gamin, Tom Tom et nana. J'adorais cette bande dessinée. Je sais pas si ça vous parle, vous autres. Ouais, pareil, j'ai connu gamine, ouais. Moi, c'est plutôt le dessin animé, mais oui. Ah, dessin animé, j'ai pas vu. Moi, je m'en suis tenu au format papier. Ah non, Tom Tom et Nana, j'adorais ça. Par contre, je suis en train, avec le recul, quand j'étais ado, j'avais la chance d'avoir quelques bandes dessinées, dont quasiment l'intégrale de Tintin. Là-dessus, j'ai été gâté. Je l'avoue, bien volontiers. J'ai eu un album qui est pas populaire, quelques numéros, je crois que ça s'appelait Angie. Et en fait, c'était l'histoire d'une jeune femme blonde. En gros, c'est l'adolescente bien rangée, une fille vraiment exemplaire, bien bien rangée, qui rentrait dans la vie d'adulte. Mais avec le recul, je me rends compte que la bande dessinée était vachement machiste et sexiste parce que, en gros, elle devenait la femme de ménage bonne à tout faire, quoi. Avec le recul, c'est vrai que ça passerait plus aujourd'hui, là, ce genre de bande dessinée. Mais enfin, je sais plus si c'est NJ. Faudrait que je retrouve si j'ai pas cédé à quelqu'un la bande dessinée, parce que sinon je la lis plus, mais depuis bien longtemps. J'ai pas Mais ça me rappelle des connu. souvenirs d'enfance. Tac, tac, tac. Oui, donc on parlait de Furious Jumper. Je continue de lire le chat, hein. Pardon si je suis inactif dans le jeu. Question idiote, mais je connais rien à la géographie française. C'est dans quel coin Nancy? Alors Nancy est dans le nord-est de la France, dans la région Lorraine, et je suis dans le département dans la Lorraine centrale qui est la Meurthe-et-Moselle. C'est-à-dire que ma zone géographique est généreusement balayée par deux grands cours d'eau que sont la Meurthe et la Moselle. D'où le nom du département, la Meurthe-et-Moselle. D'ailleurs Nancy, j'en discutais avec Froboz il y a quelques jours. Il faudra que je retrouve dans les bouquins d'histoire pour ma ville. Mais Nancy, c'est de l'ancien patois local, datant de l'an 900, je crois, après Jésus-Christ. Nancy a été fondée il y a 1000 ans. Et Nancy voulait dire en patois, enfin Nansa ou Nansu, je sais plus comment c'était dit à l'époque. Ça voulait dire marécage, en fait, zone humide. Et c'est le cas. Nancy a été fondée sur des marécages. Et la place Stanislas que vous avez, merci la plupart d'entre vous d'avoir élu plus beau qu'on appelle ça, Stéphane Bern, là, le plus beau monument des Français pour cette année. Figurez-vous qu'il y a tout un jeu de tuyauterie sous les pavés de la place Stan, parce que en dessous il y a un marécage à la base. Il y a pas mal de sources autour de des sources naturelles autour de Nancy. Hein. J'ai la chance d'avoir une zone bien irriguée. Pourvu que ça dure avec le réchauffement climatique, ça va nous permettre de survivre dans la région. C'est très très précieux. Wally Walou. Voilà pour ma localisation géographique, mon cher Bazou. Oui, il n'y a pas de souci, bon appât à toi, Olive. T'as bien raison de te restaurer, c'est l'heure. Alors. Moi, d'ailleurs, en parlant de se restaurer, il faut que je le fasse aussi dans le jeu vidéo. Parce que mon perso va crever de faim. Ah, alors avant d'aller à la porte galactique, je suis navré, mais il faut vraiment que je retourne dans mon. Bah, de toute façon, quand je vais descendre du vaisseau, je vais arriver dans ma petite baraque. Il faut absolument que je cultive et je fasse la récolte parce que je vais crever de faim, j'ai plus de bouffe. Pour donner un complément d'information, Nancy est aussi la région frontalière de l'Allemagne. Pas la ville, mais la région, elle est frontalière à l'Allemagne. C'est encore plus. La Belgique, l'Allemagne, c'est pas très loin. Là, il y a une frontière commune, je suppose. Je vais te contredire, Funfan. Géographiquement, Nancy est plus proche de la frontière belge que de la frontière allemande. Ah C'est les Alsaciens qui sont proches de l'Allemagne, et du ah. Luxembourg. Ouais, mais maintenant qu'on a élargi les régions, quand vous êtes dans le Grand Est, bon, c'est plus compliqué. Oui, alors moi je spécifie que mon raisonnement est à vol d'oiseau, c'est-à-dire sur une carte tu prends une réglette, une règle. Le pays limitrophe le plus proche de Nancy, c'est la Belgique pour moi. Tu fonces plein nord depuis Nancy,
Et t'arrives en Belgique, c'est le pays le plus proche. T'arrives chez Basil. C'est vrai en plus. Ah. Faudra faire gaffe parce que là j'ai vu que on voit même tes notifications Discord. Ah ouais. Je viens de voir. Ça, vous les voyez, vous devriez pas les voir normalement. Ah si, mais si, là... je suis bête. J'ai fait une capture d'écran, pas une capture de jeu. Pas une capture de fenêtre. Donc effectivement, vous voyez tout en même temps, oui, c'est vrai. Un message de... C'est un peu gênant au niveau de la discrétion, c'est vrai, t'as raison. Merci de me le dire. Bah attendez, je vais essayer de désactiver mes notifications Discord. Oh, je suis menacé sur mon propre potager, c'est sûr. Je sais même plus comment je désactive les notifications Discord. Oui, t'as raison, fan fan. Niveau de discrétion, j'ai un 0 pointé. Si. Ne faites pas des MP au sage, sauf si vous voulez être célèbre. mince, vous commencez même à voir des trucs. Oulala. Tu fais des bêtises, c'est le truc à pas faire justement en direct. Bon, on est en petit comité. Voilà, change d'écran, là. Ah bah là, on voit. On... Attention à ce qu'on peut voir parce que là on voit que t'es dans ton menu. Bah, oui. C'est pour ça que je change de l'écran pour que vous ne voyez plus. Mais oui non, attendez. Overlay activé. Ah c'est peut-être ça. Sinon ce qu'on peut faire pour que tu puisses régler les problèmes techniques, vu qu'il est midi, je lance mon stream en attendant, comme ça tu fais. Parce que du coup on a complètement zappé. Même moi, hein, j'étais passionné, puis là je me rappelle que je dois faire un stream. Ça te met pas la pression de chercher direct. C'est pas de l'opportunisme, hein, mais c'est vrai qu'il est midi et que j'avais oublié que j'avais mis mes horaires à midi maintenant. Donc je vais préparer ce qu'il faut de mon côté. Ouais. Mais tu prends ton antenne dans 50 minutes en plus, normalement. J'avais mis midi, moi, en fait. Donc j'aurais dû déjà prendre l'antenne. Ah merde, oui, t'avais midi. Ah, merde, même moi, je m'en souvenais plus. Bon, bah, tu me dis quand tu veux faire la bascule. Ouais. Bon bah désolé que du coup le stream va s'arrêter de cette façon, mais il reprendra tout à l'heure vers 15h et des bouquets. Bah oui. Ouais bah d'ici là je réglerai après mon souci de notification Discord. Je vous mets un petit peu le jeu en attendant quand même. Excusez-moi. Alors vous allez entendre un peu le bruit de ma console, c'est juste le temps que je démarre le jeu. Ouais, fais gaffe hein, avec la chaleur. Hein. Gère bien, parce que si tu perds ton matos à cause de la chaleur, ça craint. Je dirais que chaque été, je l'utilise, elle a pas eu de problème. Donc. Après, la PS4 est peut-être un peu plus problématique, mais la PS3, la PS2, elles ont été nettoyées l'année dernière. Donc c'est bien. Finir. Puisqu'il a fallu les relancer. Voilà. Je réfléchis. La bouffe. Ah oui, j'ai encore des graines. Alors, petite dernière info sur le jeu. Là, j'arrose manuellement avec mon arrosoir pour évidemment optimiser et accélérer la croissance des végétaux et récolter les fruits pour survivre. Il se trouve que dans les avancées technologiques, vers la fin du jeu, il y a moyen de générer des arroseurs automatiques. Et là, c'est le bonheur absolu. Niveau confort, c'est extra. Il y a plein de trucs comme ça, mais c'est extra Starbound, franchement. Je vous invite à vous y intéresser. Et pour le contenu du jeu, franchement, la richesse, le côté aléatoire à chaque fois que vous relancez une partie, je crois qu'il coûte 20-25€ le jeu. Vous en avez pour votre argent. Si le jeu vous tape dans l'œil, je vous le dis tout de suite, vous ne regretterez pas votre investissement. Parce que, en plus, le jeu est susceptible encore d'évoluer tout doucement, même s'il a atteint sa version finale. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, j'ai eu la surprise de voir une mise à jour. Alors, je sais pas si ça corrigeait des bugs ou si ça rajoutait du contenu, mais que ça rajoute du contenu, ça m'étonnerait pas. En plus que vous avez moyen de personnaliser, de modder le jeu. Le jeu est ouvert. Donc, la communauté est bien active et vous pouvez faire des trucs de maboule quasiment à l'infini dans le jeu. Mais foncez, franchement,
Le jeu vous titille à ce que je vous présente. Vous avez envie de vous y frotter. Allez-y, c'est pas perdu. Croyez-moi que là, c'est un jeu qui est honnête, on va dire d'un point de vue contenu intellectuellement parlant. C'est tout sauf une escroquerie. Le jeu vous offrira plein d'heures de bonheur. Bah, connaissant ton profil de joueuse Olive, c'est le genre de jeu, à mon avis, tu vas accrocher. Tu vas accrocher. Parce que la poésie des décors, il y a aussi la poésie de l'histoire. Je vous ai pas parlé du scénario, mais j'ai envie de dire qu'il y a également un côté philosophique et poétique dans les échanges qu'on peut avoir avec les autochtones sur les différentes planètes. Il y a des petites histoires trop mimi, trop marrantes. Bon, là, il faut prendre le temps, évidemment, de papoter avec tout le monde. Mais, franchement, bien. Moi, vous voyez, après X heures de jeu, je reste toujours enchanté. Et à l'affût de nouvelles découvertes. Je sais que je suis très loin d'avoir poncé le jeu. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir de connaître le propos d'un mordu du jeu qui a peut-être, on va dire, la folie d'avoir 1000 heures d'expérience sur le jeu. Que ce soit modé ou pas, c'est magnifique. C'est une histoire à vivre, ce jeu. Je suis un super héros, très fleuri. Non, je suis mon idiot, pardon. Ah, mais oui, je suis bête. En allant dans les profondeurs, j'ai récolté plein de minerais précieux. Donc c'est bien, en allant chez Fun Fan, là, dans les minutes qui vont suivre, pendant au moins 3 heures, moi, je vais continuer à jouer peinard de mon côté, hors antenne, et faire la modération et suivre les aventures de Fun Fan. Et puis, on se retrouvera après, avec un peu de chance, vous me verrez. Alors, je pense que j'aurai activé le portail galactique, je vous expliquerai une fois fait. Mais vous inquiétez pas, vous n'en perdrez pas une miette. Je ferai des rétro-actions, des rétro-découvertes, là, pour vous. Quand on se retrouvera tout à l'heure sur mon antenne. Je vais essayer de progresser et faire des trucs qui sont chiants, pas drôles à voir à l'écran. Pendant ce temps-là. Je vais pas mettre l'alerte puisque je suis en vocal. Donc pour ceux qui ne suivent pas le raid pour venir chez moi, je vous souhaite un bon dimanche ou à tout à l'heure si vous revenez chez le Sage de Nancy et je serai pas rancunier. Et pour voilà, et pour ceux que je ne verrai pas, je vous souhaite tout simplement un bon dimanche et soit tout de suite ou un bon dimanche ou à tout à l'heure. Vous avez le choix. Voilà. Alors, je complète l'alerte faite de manière artisanale. Mesdames et messieurs, voici votre programme. Voilà, moi j'y vais, je quitte la vocale, je lance le stream. A plus. A plus, merci mon cher FunFan. Bonne prise d'antenne à toi. Oui, du coup, je suis en train de paniquer parce que je me dis, est-ce que je vais voir la notification de FunFan? Oui, je vais la voir. Oui, quand il va prendre son antenne, je vais avoir la notification. Comme ça, je vais pouvoir faire le relais de chaîne. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, Olive. Tu fais ce que tu veux. Te sens pas obligé de te justifier. À chaque fois, t'es adorable. Mais t'en fais pas. T'inquiète pas, on t'oublie pas non plus, Olive. Tranquille. Ah. Non, puis tout le monde, de toute façon, est assommé par la satanée chaleur. Oh là là. A plus, Olive. Merci, merci. Oui, d'ailleurs, il va falloir que je désactive ma vocale, moi, parce que je vais arrêter d'émettre. Bah, tiens, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite, parce que j'ai l'air idiot. Merci à vous d'avoir été là. Hop, je coupe. Je tweak, je reviens sur le jeu en attendant. Ah, faut que j'arrête de faire des bêtises avec mes fenêtres. Pardon si vous avez des yeux qui pleurent. J'arrête pas d'enchaîner les fenêtres à l'écran. Bon, bah voilà. Hors antenne, moi, j'ai encore développé mon potager. Je vais aménager mon petit chez moi. Et puis, je me demande d'ailleurs si finalement, je vais pas faire usage de mes cristaux là où il faut, bah quand je reprendrai l'antenne tout à l'heure, parce que rien ne presse. Moi, je suis posé peinard. Je vais faire mon jardinage intergalactique, hein. Voilà. Tiens, une carotte. Je manquerais plus que je me fasse agresser par un lapinou. Un lapinou de l'espace qui tire des rayons laser avec ses yeux et qui me met des baffes avec ses oreilles. Je me marre, mais ce serait possible en plus. Vu les créatures de fous qu'il y a dans cet univers. Ah, ça y est.
Funfan a lancé son signal. Oula, excusez-moi, je vais zapper le... Parce qu'il faut que je fasse la saisie de la commande pour aller chez l'ami Funfan. Bon, merci tout plein à vous d'avoir été là. Pardon de ne pas avoir suivi le programme prévu avec Final Fantasy et Minecraft. Mais comme il fait chaud et moite, surtout chez moi, il était hors de question que je mette en péril ma console. Je voulais pas prendre de risque et je vais pas faire surchauffer mon ordi. Donc ça va être le jeu Starbound qui est en 2D, qui bouffe moins de ressources et qui est quand même très beau, qu'on va faire toute la journée. Donc on va filer chez Funfan, il va vous annoncer son programme. Et moi je vais pouvoir me restaurer hors antenne. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Merci pour les réabonnements, merci Funfan pour ton abonnement. Merci Olive également tout à l'heure. Je sais même plus, c'était quoi les événements, je sais plus, pardon. Attendez, je relis. Oui, merci FunFan pour l'abonnement. Oui, voilà, c'était FunFan. Merci Olive pour ta présence aussi sur la vocale, c'était super sympa. Mince, je suis en train de faire des bêtises. Ah mon dieu, je clique pas là où il faut. Et la bascule devrait bientôt se faire. Voilà. Alors que je vous laisse au moins le jeu à l'écran. Je suis cruel. Je vais pas vous mettre mon bureau avec toutes les fenêtres en vrac. Bref, merci aussi les anonymes, hein, ceux qui étaient tout discrets, qui ne sont pas manifestés. Je comprends parfaitement, j'étais des vôtres il y a encore quelques années sur Twitch, où j'étais motus et bouche cousue. Prenez soin de vous, buvez de la flotte face à cette chaleur. Prenez pas de risques. On se retrouve vers 15-16 heures tout à l'heure sur mon antenne. Voilà, on file chez FunFan. Bisous. Et merci chers anonymes qui me regardaient hors antenne sur YouTube, la rediffusion. Prenez soin de vous, vous aussi. Pardon, je vais couper comme un gros vilain. Hop là, à tout à l'heure. À dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci.